Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau streaming, évidemment, comme vous y êtes habitués, au stream du mercredi soir. Et écoutez, bah, ce soir, nous allons évidemment continuer Animal Crossing, et on peut le voir avec la carte, mais la map avance bien. Entre là, en haut à droite de l'île, avec la maison de Pécan, la zone du musée, la petite cascade. En haut à gauche, le quartier asiatique. Nous, autour de chez nous, le quartier des loups. En bas à droite, la zone commerciale. Ça avance, ça avance. Donc écoutez, pour aujourd'hui, le programme sera de déplacer la maison de Gradube, je pense, dans un premier temps. Et on va s'occuper du quartier des oiseaux, des piafs, évidemment. Donc je vais devoir creuser évidemment une grosse zone avant ça, pour un petit peu décider de où est-ce que je place chaque élément. Et voilà. Et donc du coup, on fera ça, j'espère avoir le temps à 100% pour aujourd'hui, vu que le quartier des Asiatiques, ça m'a pris un stream et demi, je crois, pour le faire. Donc là, ça serait cool qu'aujourd'hui, je me full focus à ça. Et puis voilà. Donc évidemment, avant de démarrer, voilà, je monte vite fait ce que j'ai fait la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, je dis ça, c'était lundi. Donc voilà, j'ai juste déplacé les deux shops en dessous de la mairie. J'ai fait cette petite fontaine, voilà, avec des petits trucs. Voilà, c'est tout con, mais ça va, je suis un peu... Je suis pas trop déçu parce que ça rend assez bien. Donc écoutez, on va aller voir comme d'habitude à chaque début de streaming. On va aller voir Runar. Parce que évidemment, l'un des objectifs, c'est de compléter le musée. Donc si ce soir, j'ai le temps de finir le quartier des oiseaux, et bien la semaine prochaine, ça serait le dernier stream Animal Crossing. Où je passerai tout le temps du stream. Et je ne m'arrêterai pas sur le stream tant que je n'ai pas à récupérer ce putain de coryphène qui est le dernier poisson qu'il me manque. Et je regarde et... Ouais, non, ça va, la semaine prochaine, elle est assez tranquille niveau horaire. Donc ça devrait aller. Donc écoutez, ça sera la surprise. Ouais, j'ai vu mes horaires, c'est juste lundi et mardi où c'est assez chaud. Genre lundi, je fais du 9-20... Mardi, je fais du 9... Ah non, c'est vrai que c'est les cours selon les spécialités. Donc non, je fais du 9-15 mardi. Mercredi, je fais du 14-16. Jeudi, je fais du 9-12. Je fais du 14-17 vendredi. Ouais, ça va. Ouais, donc je m'en branle finalement de me coucher tard, on va dire, pour mercredi. Bon alors. La laitière et ce... tableau japonais. Et bah écoutez, j'ai déjà les deux. Donc c'est ciao. Je veux rentrer. Alors la laitière, j'ai un petit doute, mais il me semble que je l'ai déjà. De toute façon, je la vois tellement souvent. J'ai l'impression que Runar, il met souvent les mêmes tableaux. Les sculptures, j'ai jamais eu la même, mais les tableaux... Genre là, le tableau asiatique, c'est... Je sais pas, ça doit être la cinquième fois que je le vois. Alors si on compte les deux parties, vu que ce tableau est en deux parties. Mais bon. Est-ce que j'ai de l'argent? Yes. J'ai quoi? C'est des spots. C'est que des spots de sol que j'ai là. C'est quoi ça? Pousse d'azalée blanche. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller à la mairie. On va déplacer la maison de Gradub. Le Gradubide. Après, on va time travel. Ouais, juste à demain. Il n'y a pas besoin de se faire chier, je pense. Quoique, à la limite, je me dis autant time travel jusqu'à la au moment où on peut tomber sur le bousier. Donc ça veut dire que... Ouais, je vais faire un time travel en janvier. Comme ça, on pourra tomber sur le bousier, probablement. Mais attends, mais le coryphène, c'est...
Ça se finit en octobre. Ah ouais, donc là, je peux pêcher du coryphène si je veux. Mais bon, dans tous les cas, c'est aussi l'intérêt, c'est d'avoir l'insecte. Le dernier insecte avec le bousier, à savoir le scarabée, qui est dispo quand on était lui, pour le coup. Bonjour, Lival, bienvenue au guichet de construction. Parlons infrastructure. Je veux déplacer un bâtiment. Je veux déplacer la maison d'un résident, une saleté de résident. Et oui, Alice et Gradube. Objectif, se débarrasser d'eux un jour, hein, bien sûr. J'ai un peu regardé ouais, sur Nokazoon, il y a. Bon, comme d'hab, il n'y a personne qui vend son pec. Moi, vraiment, c'est décidé, mes deux prochains villageois que je veux, c'est pec. Une victime. En vrai, tant pis. Mais non, pec. Pec et Apollo. Mais Apollo, il coûte bien, bien cher. Hein. Et sur le Animal Crossing, non. Animal Crossing français, personne. Hein, parce que là, le petit Gradube, il est moche, hein, vraiment. Sa bouche est moche, ses yeux sont moches, il a du vert au bout de ses oreilles. Le pauvre, hein, vraiment. La vie n'a pas gardé. Alors qu'est-ce qu'on a ici au cas où? On n'a rien de plus. On va peut-être que je vende ce qu'il y a dans cette poubelle publique là. Bon, Gradu, on va pas se faire chier. Hein. Je vais juste le déplacer. À la limite, je pourrais même le foutre là. Ouais, voilà. Vas-y, si c'est parfait, je m'en branle. De toute façon, où il sera? Spoilapapapap. Voilà, je m'en fous royalement d'où il sera. C'est juste qu'il fallait que je déplace cette maison. Donc du coup, ouais, ça fera une bien grosse zone. Hein. Et je me dis, est-ce que je déplace... Enfin, est-ce que je vais devoir couper des arbres? Parce que la zone, je pense que je vais la faire jusqu'à... Bon, peut-être pas là, mais... Elle va être grande, la zone, quand même. Hein. Ah oui, un truc que j'avais vu, c'est que j'aimerais bien faire une espèce de pont suspendu. Mais bon, ça risque d'être un peu chiant pour faire ça. Si je regarde la zone, quelle taille elle pourrait faire? Après, je pourrais faire en sorte qu'elle continue par là, la zone. Ouais, non, quand même. Hein. Je pense que je vais bien faire toute cette longueur-là. Jusqu'à, voilà, à peu près ici, je te dirais. En vrai, on verra quand on posera nos éléments. Et après, niveau fruits, normalement, je suis large. Hein. Ouais, cet orangé, je devrais pas le toucher. Ceux-là, ouais, je vais probablement les péter. Et après, est-ce qu'il y a d'autres arbres fruitiers? Faut savoir si je dois en replanter ou si je m'en fous. Ouais, les oranges, de toute façon, c'est bon. Et les pommes, je sais pas, je vais regarder. Si j'en ai ici, c'est bon. La cerise, pomme, et ben c'est bon. On fait une pause? Oui. Et ben nickel. Bah du coup, on va re-aller voir Runar, je pense. On va en profiter. Donc, janvier. Le plongée d'Aix, je me garde ça pour cet été, je pense. Cet été, en vrai, quand je reprendrai le jeu, j'aurai pas 20 000 trucs à faire non plus, hein. J'aurais finir le plongée d'Aix, choper Apollo et Peck, donc probablement me refaire une fortune pour pouvoir les acheter tous les deux. Faire évidemment la maison extérieure pour les deux. Et encore Peck, je me dis qu'on peut la faire en attendant. Il n'y a pas de souci, on va, hein, je peux déjà faire l'extérieur. Rien ne m'oblige à attendre en fait. Après, la maison d'Apollo, pareil, hein. Il suffit juste que l'extérieur, enfin, je sache où poser la maison.
pense que je vais faire, c'est que je vais au moins poser, on va dire, un sol particulier pour savoir où sera la maison. Et après, bah juste, je la poserai quand le moment sera venu. Après la maison de Julie, je vais pouvoir la poser directement vu que elle, on sait où elle est. Je sais pas trop comment je vais gérer ce pont suspendu que je souhaite faire. On verra. Alors, qu'est-ce que je me suis noté? On va le faire sur une montagne de level 1. Une zone relativement grande en surface possible. Puis y faire une ou deux montagnes de level 2 avec cascade peut-être. Faire un pont suspendu avec des motifs perso. Ah oui, il faudra que je trouve ça. Ah, mais du coup, il fait de la neige. Oh, la neige. Et bonsoir Silvercrow d'ailleurs. Et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et vraie question, comment vas-tu? Bien sûr. Donc voilà, Animal Crossing, ça continue. Mais la semaine prochaine, ce sera probablement terminé. La semaine prochaine sera le dernier stream Animal Crossing. Donc voilà, on va finir Animal Crossing et Pokémon Xenoverse la même semaine. FNAF Into the Pit, quasiment. Normalement, on finit le jeu ce samedi-là. Si tout va bien, là, il me reste qu'une seule nuit, donc... Enfin, il me reste le jour 5 et la nuit 5. Je sais pas si le jour 5, il est court, enfin, je me souviens plus. Donc, ouais, on devrait en avoir pour une heure et demie, je pense. Derrière, on pourra... Voilà, on se dit, pendant, allez, une heure et demie, on fait du speedrun pour obtenir la première fin du jeu qui s'obtient en 3 minutes top chrono. Hein, donc concrètement, je vais pas énormément jouer. Attends, le bousier, il spawn de nuit? Il est où le truc qui fait du bruit, là? Ah, il est dans... Et oui, c'est... C'est là-dedans que ça fait du bruit. Merci de voler avec Dodo Airlines. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça qui fait du bruit. Attends, je vais me débarrasser un petit peu des trucs. Et oui, là, le son, il vient de la droite. Et là, il vient de la gauche. Tiens, on va regarder un petit peu à quoi ressemble la ville d'été, comme ça. D'été. Putain, ça rend bien de fou le quartier asiatique en vrai comme ça. Ça manque peut-être de spots où... Ouais, faudrait que j'ajoute des lampions. Faudrait que j'en foute plus de ça. Ah non, je kiffe bien. Non, il passe bien mon petit quartier asiatique. Moi, je l'aime bien. Et ici. Oh, c'est clean. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Attends, on va passer par en haut pour voir. Un peu malade. Ah mince. Bah moi sinon, ouais, ça va nickel. Ah, oh, c'est clean. C'est clean. Ok. Et bah nickel. Le petit musée. La petite cascade. C'est quoi ça? Et putain! On peut faire des bonhommes de neige de souvenir en... dans Animal Crossing. Et tu peux obtenir des objets comme ça. Genre là, si la boule, je la pousse, ça va faire une boule de plus en plus grosse. Et au bout d'un moment, si je mets deux boules côte à côte, et on peut les ramasser? Et au bout d'un moment, normalement, c'est censé faire une boule assez grosse et on peut crafter un bonhomme de neige. Je sais pas si elle gourre aussi la boule. Ah si, c'est bon. Et là, tu fais une boule. Et après, si tu ramènes une boule de neige sur une autre boule de neige, tu peux faire un bonhomme. Ah, c'est rigolo, les flocons, là. Vas-y, on va essayer de faire un bonhomme de neige. Par contre, c'est long, hein. Ah, ça y est. Alors, est-ce que ça marche? Oui!
enfin, on se rencontre, tu ne peux pas t'imaginer comme ça me fait plaisir. Déjà, je suis petit flocon, j'aurais fait de te rencontrer, alors je me présente, je m'appelle Yetiti. Je ne serai pas éternellement sur cette île, alors je préfère autant m'amuser. Puisque tu t'es dégourdi de tes 10 doigts, je t'offre un plan de bricolage. Voilà, c'est pour fabriquer un monsieur neige. Consulte ton look fan. Et prends ce grand flocon de neige, tu en auras besoin pour ton bricolage. Voilà, je l'ai mis dans tes affaires, tu sais, pour faire cet objet spécial. La première fois que tu me fais, je suis déjà à la perfection faite, bonhomme de neige. Quand tu as de l'or dans les mains, crois-moi, tu vas accomplir de grandes choses. Trop bien. Fais un bonhomme de neige. Alors, est-ce que c'est... artiste en neige? Ah, parce qu'on peut en faire plusieurs. Eh ben écoute. Alors moi, je voulais voir cette petite zone-là. Ouais, ça va. Non, elle passe bien, cette petite cascade, je suis content. Et après, qu'est-ce qu'on a à voir? On a là le quartier... enfin, la zone commerciale. Oh, c'est Kéké, papa! Elle passe bien, notre petite zone commerciale aussi. Non, bah, content. Et après, il n'y a rien d'autre à voir. Hein. Ouais, j'ai pas fait grand-chose en soi, hein, mais bon. C'est tellement long. Bon, bah, go deforestay. Tiens, que m'ont donné les gens, là? Un tableau peint par maman. D'accord. Et le cadeau? Une monture solaire. Ah bah, ça tombe bien, on est en été, là. Bon bah, plus qu'à espérer tomber sur... Oh putain. Ouh. Ah! Oh, nique ta mère. Putain. Non mais vas-y, le premier arbre. Le premier arbre. Ah mais on voit rien avec mes lunettes, mais c'est parfait. Mais le premier arbre que je tape, s'il te plaît, c'est quoi ça? Bon, il faudra décider de la zone sur laquelle j'opère. Je pense que je vais pas tout péter maintenant. Genre cet arbre, à la limite, on peut se dire cet orangé là est la limite. Donc ce pêcher aussi. Ah merde, mais du coup, il faut que je le tue lui. Merde, mais lui il me gêne du coup. Bon, au pire, je referai un time travel. lui, ouais, lui, il risque de me gêner. Ah, il faut vite que je revienne en été là pour qu'il fonde ce petit bâtard. Donc du coup, objectif... Ah, c'est pas si grand finalement. Si tu dis que je vais jusqu'à à peu près là. Et là, on voit déjà la limite. Oh, quoique, en vrai, si, ça va. Après, je me dis que je peux m'étendre. Que je peux grand remplacer ces arbres là. Mais je sais pas, au pire je me dis ça me permet d'avoir une limite. Ah, donc au final j'ai coupé que 3 arbres. Saleté d'arbres. Oh là là. Il y avait des petites blagues que j'avais oubliées. Parce que du coup j'ai fini le montage l'autre soir de Princess Peach Showtime. Au final j'ai rushé le montage. Fin... Et moi j'aimais bien. Quoi. J'ai bien aimé le jeu. J'ai coupé énormément de choses quand même. Hein. Bah en même temps, 5 streams de 2h30 en moyenne, je me retrouve avec 19 minutes 40 de vidéo, je crois. Sachant que sur les 19 minutes 40, t'as 20 secondes, c'est juste l'outro avec la musique à la toute fin. Et t'as... Je crois t'as 35 secondes à peu près. Où bah, c'est moi qui fais l'intro, mais une intro en off. Puis après t'as l'intro pareil musical, quoi. Donc tu dis, ouais, t'as 19 minutes pures qui proviennent des streams. Donc bon. J'ai dû pas mal cutter. Après, il y avait un truc, je savais que je cutterais énormément. C'est dans le jeu, genre, t'es sur un bâtiment, sur un grand théâtre en soi. Et à chaque étage... Ah ! Ok. Je pensais pas que je trouverais un gyroïde comme ça. Mais what the fuck, mais à quel moment, pourquoi il y a autant de gyroïdes là? Ah non, ça veut dire que là aussi je peux en avoir?
Je savais pas qu'on pouvait déterrer des géroïdes comme ça, random. Là, je le fais parce que vraiment, il me gêne pour le coup, mais. Mais bon. Et du coup, bah, à chaque étage, tu as. Ah oui, du coup, faut que je retire ça. À chaque étage, tu as. Tu as évidemment des tenues que Peach prendra. Les fameuses transformations. Je vais aller déposer mon caca. Et après, donc tu as deux niveaux par transformation. Et après, tu as le fameux moins 1 où tu fais le level en soi final de chaque tenue. Et ça, dans la vidéo, j'ai vraiment tout cuté. Genre, c'est vraiment pour moi ce passage-là. Je me souviens que le stream me faisait chier. Parce que j'ai rien branlé en fait. J'ai juste fait les levels. Et on a juste deux que j'ai retenus. Pourquoi? Parce que j'ai fait des shorts. C'est juste pour ça que je les avais retenus, ces niveaux. Évidemment, ça on peut pas. Ça, je devrais pouvoir l'entreposer. Ouais, vas-y, le scarabée Hercule, vu qu'on y est. Allez, ça aussi. Ça et ça, je vais les poser. Là, qu'est-ce qu'on a spot au sol? Du coup, je suis content de la vidéo sur Princess Peach Showtime. On verra. Hein. Après, elle sort vraiment pas tout de suite. Je sais plus quand elle sort. Je crois qu'elle sort dans 2 mois. Si je regarde les vidéos prévues. Alors. YouTube Studio. Alors, quand est-ce qu'elle sort cette vidéo? Le 23 novembre. Ah putain. Là, déjà, dans 10 jours, on a l'épisode 3 de Pokémon Empire et Anne. Donc, le 5 octobre, on a l'épisode 3 de Pokémon Empire Anne. Le 19 octobre, on a la vidéo Princess Peach DS. Le 26 octobre, une semaine pour changer après, mais c'est parce que c'est les vacances. La vidéo Pokérogue avec les types normales de la 4G. Le 9 novembre, donc 2 semaines après cette vidéo-là, épisode 4 de Pokémon Empire Anne. 23 novembre, la vidéo sur Princess Peach Showtime. Et je pense que 2 semaines après cette vidéo-là, je devrais sortir la vidéo sur Mario Bros. U pour l'épisode final du marathon des Mario 2D. Dont le dernier épisode commence à dater, mais j'avais trop la flemme de m'occuper de ce montage. Après, je sortirai probablement l'épisode 5, bah, pour les vacances de Noël. Le premier samedi des vacances de Noël, je devrais poster l'épisode 5 de Pokémon Empire et Anne. Et après, ça serait bien que j'ai au moins une vidéo de prévue pour les vacances. Mais je pense pas que ça sera la vidéo Mario Galaxy. Je sais pas si j'aurai le temps de la monter d'ici là. Mais c'est vrai que ça serait peut-être le meilleur moment. Bah, comme l'année dernière finalement, où j'ai posté pendant les vacances d'hiver. La vidéo, ma grosse grosse vidéo qui était le unlock de Pokémon X. Moi, c'est vrai qu'au final, je devrais en avoir pour à peu près autant de temps de montage, je pense. Vu que. Oh, quoique, bah non. Non, ça devrait être un peu plus rapide. Parce que les VOD de Mario Galaxy, je crois que j'en ai 5. Je sais plus. Je sais plus, j'ai combien de VOD de Mario Galaxy à monter. Ah bah attends, j'ai les records sur mon dossier. Je peux vérifier. J'ai 5 VOD. J'ai 5 VOD qui font en moyenne 3 heures, je crois. Donc ça me fait 15 heures à dérocher. Après, il va falloir, bah, pendant le dérochage, je vais faire mon écriture du. L'écriture de mon texte. Après, contrairement à Pokémon, enfin, le unlock de Pokémon X, je pense que là, ça va être un mi-voix off, mi-best-off. Je pense pas que la vidéo fera. Franchement, enfin, je sais pas si la vidéo fera 3 quarts d'heure, parce qu'il y a des niveaux qui valent pas trop le coup d'être montrés énormément. C'est surtout les skips et les façons que je fais qui valent le coup d'être montrés. Mais mes moments de tryhard, bah, je vais juste montrer les moments où je blablate et les moments où je me rate, quoi. Je vais pas me faire chier à monter, à montrer trop de trucs. Donc je pense que le montage sera plus rapide. Mais pour ça, il faut prendre le time. Bon. Alors cette montagne, je la commence à partir d'où? Moi, je serais chaud de la.
la faire un petit peu déborder par la droite. Ouais, peut-être histoire de faire une espèce de T. Genre, je te dirais au niveau des limites. Genre, allez, on dit que ça va. Non, peut-être pas jusque-là, mais. On se dit là, l'arc que je viens de courir, ça va être la limite. Après, bon, voilà, peut-être je fais des zigzags, voilà, pour esquiver les arbres à fruits. Après, ici, on va par là. Après, on va un chouïa par là. Ouais. Ça me paraît ok. Je pense déjà, faut que je construise. Alors. Ah ouais, il me gêne un peu ce bonhomme. Ouais, voilà, à partir de là, ça peut être bien. Donc, je vais construire. Je vais commencer à faire un truc et on verra. Alors, je vais faire un truc beaucoup moins. Ah oui, par contre, faut que je fasse gaffe quand même. Oh, quoique, là, ça va. Je vais faire un truc pas carré, je vais essayer un petit peu d'arrondir les trucs. Alors que le quartier asiatique, c'était assez carré. Voilà, par exemple, voilà. On va dire, je vais terraformer un peu à la Minecraft. Voilà, j'aimerais bien laisser un petit peu du. Comment dire, du mou, je sais pas. Ouais, ou sinon là j'agrandis un petit peu. Faudrait peut-être pas que je le fasse direct. Genre j'avance au moins de deux. Voilà, et maintenant on continue. Parce que. Ah. Ouais, non, mais je pense que le T-Rex, je vais le laisser là. Hein. Il est bien ici. Voilà, à la limite. On se dit qu'ici, je ferai quelque chose. Bon, à la limite, je mettrai un deuxième T-Rex. Voilà, et ici, on se dit, voilà. Ici, j'arrondirai comme ça. Voilà. Alors là, on est où? Oh putain, je suis déjà ici. Oh là là. Ah, ça va être compliqué là à creuser cette montagne. Là, je suis déjà en train d'arriver là où je pensais aller. Alors. Ah putain. Ouais, à la limite, à partir d'ici, j'essaie de faire une espèce de cercle. Et au pire, je me dis ici, ce que je peux faire, c'est mettre une pente. Donc, faudra que je pète ce caillou. C'est comment là? Ouais, au pire, l'arbre il est bien ici. J'aime bien le fait qu'il y ait un arbre là. Ah, quoique. Non, faudrait que j'aille un cran plus loin. Ouais, non, ici c'est pas bien. Faudrait que dès ici je remonte. Donc ici. Mince. Bon, ici je foutrais ma pente. Ouais, c'est pas mal en vrai ça. Du coup là je dois aller un cran plus loin. Donc ça on pète. Voilà. Et là on sera mieux déjà. Ah merde, bah oui, il fait pas l'angle. Donc voilà. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui concrètement.
Et là maintenant, ce qui va être giga fun, tu vois là, tout le tour que je suis en train de faire, et ben après va falloir le remplir. Ça, ça va être un réel bonheur. Et ça, j'avais déjà dû le faire pour le haut de mon île, où de base j'avais tout aplati. Et après, enfin vraiment tout aplati au rez-de-chaussée. Et après, j'ai dû tout remplir à la main. Sauf que là, la zone que je suis en train de creuser, elle est un peu plus grande. Hein. Donc ça va être. En plus, je vais être obligé de time travel pour le bonhomme de neige. Un time travel, c'est au moins 4 minutes de perdu, je te dirais. Donc là, maintenant, faudrait que je commence à remonter, je crois. J'avais dit qu'il fallait plus que je coupe d'arbres. Ah oui. Là, on peut déjà commencer à aller là. Donc là, c'est vraiment, je fais approximativement ce que j'ai dit. Ok. Je pense que je vais commencer à me rapprocher d'ici. Alors, on est comment? Ouais, c'est pas mal. Là, je pense que je fais 3, 3 et 2. Donc là, on est à 3. Là, on fait 3. Le dernier 3, du coup, normalement. Ok, bah non, bah encore 3, du coup. Alors, on va regarder la zone à peu près. Oh, c'est rikiki. Oh, je pensais que ça serait vraiment beaucoup plus gros. Mon pont suspendu, je pourrais me le faire là. Mon fameux pont suspendu que je voulais faire. Je le vois vraiment ici. Donc l'idée, ça serait je fous une pente ici. Une pente qui devrait s'arrêter jusqu'à là, je te dirais. Et après, là, bah, je regarde le tuto short. Je me fais une espèce de pont suspendu ici. Donc ça veut dire que tout ça, en réalité, il n'y aura pas. Mais là, je suis obligé d'avoir une espèce d'auteur. C'est embêtant. Ouais, non, mais l'effet fera bizarre, en fait. L'effet risque d'être très bizarre si je le fais. Mais bon, en attendant, ça me coûtera rien, en vrai, de le faire. Faudra juste que je trouve un bon motif pour faire une espèce de pont. Ah ouais, par contre, là, la zone... Bah, je pense que je foutrais une maison là. Et après une autre là, hein, je pense. Je pense que j'ai pas trop le choix. Ouais, je vais commencer à remplir parce que je pense que là, c'est décidé. Ah oui, il faut juste que je regarde avant. Ah ouais, putain, je pensais que ce serait vraiment plus grand que ça. C'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Ouais, et pourtant... Faudrait que je creuse en haut, je pense. Hein. Faudrait que j'aille un peu... Oh, quoique, c'est bien, là, en vrai. Hein. Eh, ça fait une... Oh, putain. Imagine, là, je fais une ref et je fais une espèce de tête de Yoshi. Mais là, je sais pas, en le voyant, ça me fait un peu penser au... Non, je sais pas. Mais tu sais, à l'arrière, là, on dirait une tête qui regarde de côté vers la gauche. Du coup, vers la gauche, vu que c'est là-bas, vu que ma caméra, elle est inversée. Et je sais pas, on dirait que ça fait une espèce de bouche, là, à l'avant. Avec un coup. Ah, c'est un Yoshi, mais qui est très, très fin, quoi. Non, en vrai, niveau espace, ça va. Hein. Pour placer des maisons, c'est largement suffisant. Bon, écoute, je vais déjà tout remplir. Et après, on verra ce que je fais. On
Bon, c'est juste que je vais foutre une pente ici. Après, je pense pas que je vais mettre des barrières et des murets pour ce quartier-là. Sinon, vu qu'on se dit que c'est... on va dire c'est un peu un quartier aérien. Je peux foutre des... Je peux foutre des petits murets, tu sais, les pics avec les fils, là. Je sais pas, ça sera la surprise. C'est vrai que j'ai rien de prévu de particulier hein, pour le quartier des oiseaux. De toute façon, j'ai qu'un piaf en plus, forcément. Je serais chaud de me balader un petit peu avant de faire un time travel pour voir s'il n'y a pas un petit bousier qui spawn. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais joué en été sur le jeu, du coup. Parce que les flocons de neige, je m'en doutais qu'il y en aurait, mais j'ai pas souvenir d'en avoir eu. Spoil, spoil, paf! Spoil, spoil, paf! Spoil, spoil, paf! Elle est chiante la caméra à tout le temps bouger là. Elle m'arrange pas. Ouais, là j'arrive pas à savoir ce que je vise du coup. On est à combien de temps de stream là? On est à 37 de rec. Sachant que j'ai lancé le jeu directement. Putain d'ailleurs j'ai oublié le collier de fleurs, je viens de me dire. Parce que là, les deux derniers streams que j'ai fait qui n'étaient pas prévus, je ne l'ai pas mis. Mais là, c'est fini. Hein. On est officiellement plus en été, donc je n'ai plus de raison de mettre ce collier de fleurs. Évidemment, quand on reprendra le jeu en été, je le remettrai, le collier. Évidemment. Ah, je viens d'avoir une idée d'un truc que je pourrais faire. Je pourrais foutre une tête de creeper. Quelque part. Pour être bien. C'est tout con, hein. C'est vraiment tu fais un carré puis basta. Il va me gêner lui hein, par contre. Je l'ai vraiment pas mis au bon endroit. Au pire c'est pas grave, hein. Si je dois poser une maison, ça sera d'abord celle de Julie. Aïe aïe aïe, ah, non lui il va bien me faire chier. Hein. Faudrait que je me laisse un petit chemin pour pouvoir le remplir cet endroit. Faudra pas que j'oublie. Faudra pas que je m'enferme. Bon, la pente, je pense que je vais mettre une pente blanche. Hein. Je pense que le quartier des oiseaux, ouais, il sera comme les autres. Hein. Je foutrai de la terracotta. Quoique, on a quoi comme sol pour les piafs? Actuellement, rue de pavé de bois et les routes en briques, c'est pour le quartier commercial. Moi qui fais planche. Les routes pavées, c'est pour le quartier asiatique. La terracotta, c'est pour le quartier de la forêt. Ah, pas quartier des loups, mais le quartier de la forêt, tiens. C'est bien ça. Donc le quartier asiatique, on est sur des routes pavées. Le quartier de la forêt, on est sur de la route pavée en terracotta. J'aurais pu foutre des chemins champêtres à la limite. Hein. Et le quartier des oiseaux. Ouais, peut-être le pavage en éventail. Hein. À la limite, pourquoi pas. Hein. Alors, important, ouais, faut vraiment que je me laisse un chemin pour pouvoir passer. Hein. En vrai, je pense que je passerai juste par le côté. Parce que là, j'aurais besoin de fermer ici. Mince.
Vas-y, je vais faire du haut-bas. Je vais tout remplir. D'ailleurs, j'y pense. Je pense que c'est ce week-end que je vais le faire. Je vais faire une petite annonce sur le Discord pour lancer officiellement le bot Moudae. En espérant évidemment que ce soit moi qui tombe sur Erza, mais vu l'aléatoire, évidemment, je ne l'aurai pas. Évidemment, on me la donnera. Hein. Objectif l'avoir, bien sûr. Si je lance le bot Moudao, c'est vraiment que pour ça. À côté, j'ai désactivé. Alors, non, je crois que c'est juste perso. Mais les personnages IRL, les personnages de. C'est vrai que je désactive aussi les personnages qui sont dans des jeux vidéo. Parce que, à part Cynthia, je veux aucun perso qui est dans un jeu vidéo normalement. Ça m'étonnerait que les persos de Naruto et de Fairy Tail soient considérés comme des persos de jeu. Mais bon. On verra si ça fonctionne. C'est un truc que je voulais faire un peu pour dynamiser le Discord. Il est pas déjà en place le bot? Si si, hein, il est en place depuis peut-être 2 semaines. C'est juste moi de mon côté où j'essayais de l'avoir. Ma petite Erza évidemment. Mais bon, malheureusement, évidemment je ne l'ai pas. Et à côté, je suis tombé sur des gros persos quand même. Hein. Des persos plutôt populaires, je suis tombé sur... je crois que j'en ai eu genre 5. Et je suis tombé sur Mikasa de SNK. Et je me suis dit, en vrai c'est bâtard de faire ça. Donc du coup, je me suis débarrassé de tous les gros persos que j'avais. J'avais Anya Forger aussi. J'avais un autre gros perso qui valait autant qu'Anya, mais je sais plus du tout c'était qui. Mais du coup, voilà, je me suis dit, bon, quand même. Donc j'ai juste gardé un chat qui danse, avec son gif. Et c'est tout. Et il vaut que dalle. Et en plus maintenant, il fait partie de ma disable list. Donc je suis même pas censé pouvoir le redrop. Parce que j'ai désactivé les trucs de type western, c'est-à-dire ce qui n'est pas asiatique, je ne peux plus tomber dessus. Mais bon. Je pense que ouais, je lancerai le bot officiellement ce week-end. Est-ce qu'on arrivera à faire en sorte que Mister H5, enfin, Nissum, pardon, Nicolas, soit actif sur le Discord? En tout cas, je spam, hein, c'est dès que je peux, dès que j'y pense, hop, je le fais. Bon, évidemment, en stream, je ne le fais pas, mais c'est pas rare que je le fasse. J'y vais, hein, là, je suis redevenu actif, j'ai repris l'habitude, tous les jours, à quasi chaque heure. Y retourner. Tiens, j'y pense, mais il faudra que je mette une pente aussi sur le haut. Il faudra vraiment que je sache où foutre mon pont suspendu, hein. Au pire, je creuserai hein, les zones nécessaires. Mais là, ce que je me dis, au pire, je fais mon pont suspendu en plein milieu. Oh, je sais pas. Non, mais je pense que je vais le faire en bas, hein, mon pont suspendu. Ça fera peut-être bizarre, au pire. Ah, sinon, ce que je peux faire pour éviter que ce soit trop bizarre... La pente que je vais mettre en place, je vais mettre vraiment la pente de base qui coûte le moins cher. Donc en fait, c'est comme si on va monter une petite montagne pour atteindre une hauteur numéro 2, on va dire. Enfin, le plus ça. Il faudra que je voie, évidemment, si ça rend bien. Et du coup, je le foutrai ici. Et du coup, ce bonhomme de neige à la con, bah ouais, bah je passerai juste par la droite hein, pour boucher. Hein.
Voilà. On ne s'embêtera pas. Moi, je sais plus du tout c'était qui les autres personnages que j'avais drop. Ouais, Mikasa et Anya. Mais c'est vraiment quand j'ai eu Mikasa que j'étais en mode... C'est fort quand même. Après, si j'étais tombé sur l'une de mes tiers S, oui, là, je l'aurais gardé, hein, évidemment, mais... Mais bon. J'ai mis qui? J'ai mis Erza, Cynthia, Elaina, Shion. Attends. Erza, Mikuna Kano, Yamato, Elaina, Amélie Azazel, vu que c'est mon top 5. Après, j'ai mis Cynthia de Pokémon. J'ai mis Shion de moi réincarné en slime. Mais après, je crois que j'en ai que 7. Hein. Je crois pas que je... Il me semble que je peux pas en mettre d'autres. Donc voilà, vraiment, évidemment, objectif numéro 1, Erza. Objectif numéro 2, j'aurais tendance à dire Yamato. Objectif numéro 3, Cynthia. Je pense qu'Erza, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui la voudrait. Parce qu'il y a plus de fans de One Piece que de Fairy Tail, je pense, dans le monde quand même. Surtout sur mon Discord. On verra après qui est actif, qui ne l'est pas. Moi, je pense que je serai actif. Tant que j'ai pas Erza, je serai actif. Et après, on verra. Hein. Mais ça a duré pas mal de temps, le... Le bot sur le serveur de mon poteau Oxys, à l'époque bah, où j'ai découvert ce bot. On y restait vraiment pas mal de temps. Alors, un truc que j'interdirais, c'est d'avoir des doubles comptes, par contre. Parce que nous, on avait je ne sais pas combien de comptes. Ça, je l'interdirais. Genre, si je vois des pseudos vraiment que je connais pas et qui sont là juste pour faire des rôles, laisse béton. Et ben voilà, ben finalement ça va, c'était assez rapide de creuser la zone. Alors je dis ça, mais après il y aura d'autres trucs qui me prendront du temps. Et si je peux déjà déplacer la maison de Julie, ça serait bien. Donc objectif là, avec le time travel. Déplacer la maison de Julie. Poser la pente. Je vais time travel en été. Comme ça, on est sûr de plus avoir le bonhomme de neige. Entre Fairy Tail et One Piece, je pense que je préfère Fairy Tail. Ah ouais? Après, le problème de One Piece, c'est sa longueur. Là où Fairy Tail, en vrai, les arcs, ils sont assez rapides. Il y a juste le dernier. L'arc, j'allais dire Alabasta, mais je sais plus comment il s'appelle. L'arc contre Zelef en finale, on va dire, de Fairy Tail normal. Il y a juste cet arc-là qui est un petit peu long. Par rapport aux autres, mais à la limite, c'est le dernier de Fairy Tail, donc évidemment on pardonne. Comment ça, c'est le dernier de Fairy Tail? Les 100 Years Quest? Alors par contre, faut faire gaffe à pas aller trop loin quand même. Mais je crois là, je sais pas si je peux le poser là. Bon, attends. La longueur, les 50 intrigues en parallèle dans le même arc de One Piece. Ah oui, non mais ça c'est insupportable. Ça je peux te comprendre, c'est le bordel. Déjà juste là, avec ce qui se passe dans l'anime de One Piece actuellement... C'est le bordel. J'ai pas encore commencé le 100 Years Quest. Moi, 100 Years Quest, j'ai juste regardé le premier arc. Et là, je vais attendre que le deuxième y sorte. Je la flemme. Vraiment, Fairy Tail, ça me faisait chier. Quand la Final Season est sortie semaine par semaine, là... Oh, ça me faisait chier d'attendre semaine par semaine. Les gros shonen, c'est chiant d'attendre. Vraiment. Donc, j'attendrai. J'attendrai que la saison se termine, je pense, si la saison fait 25 épisodes. On verra. Après, il y a de quoi adapter, hein. Là, je sais plus, on est au...
Parce que l'objectif de 100 Years Quest, c'est de mettre en état de nuire, de maîtriser Shush. Bref, on va dire l'idée, c'est que tu vas avoir un arc par dragon divin. Et là, actuellement, dans l'animé, on commence le deuxième. Enfin, je crois qu'on a 4 épisodes de sortie sur le l'arc du deuxième dragon divin. Et les dragons divins, il y en a 5 ou 6, je crois. Ou 7, je sais plus, il y en a combien. Déplacer un bâtiment. La maison d'un résident. Je veux déplacer Julie de sa maison. Après, il faudrait que je décide où je fous Julie, moi. Allons-y. Ouais, je regarde aussi les barrières que j'ai. Pour voir s'il n'y en a pas une qui serait un petit peu sympatoche. Mais du coup, si Fairy Tail sans Earth Quest saison 1 fait 25 épisodes, ça veut dire qu'on adapterait tout pile jusqu'à la fin du deuxième dragon divin, quoi. Je pense. Vu que le premier arc qui fait 8 épisodes et que c'est le plus court, ça ne serait point déconnant. Tiens, je vais prendre le truc pour crafter une rampe là. Que puis-je faire pour toi? Je sais plus. Parlons. C'est jusqu'à quel épisode le premier dragon? Je crois. Alors faut regarder, hein, mais je crois que c'est 8e épisode. Moi je me suis arrêté où? Ah, les 7 premiers épisodes. Moi je me suis arrêté à l'épisode 8. C'est genre épisode 7 moitié quoi. Ouais, c'est ça. Genre, je te dirais la deuxième. Allez, les. À partir du deuxième tiers de l'épisode 7, on est dans le nouvel arc. Donc, ouais, faut regarder les 7 premiers épisodes pour voir le premier arc. Mais après, il va falloir attendre, quoi. Parfait, je le commence du coup. installer une rampe demain. Tiens, moi d'ailleurs, ce soir, je vais terminer. Donc voilà, hein, c'est celle-là que je vais prendre. Ah, après, je peux peut-être faire un truc en bois. Bon, en vrai, non, hein, je pense que là, je pense que le naturel, je vais préférer. Mais du coup, après le stream, là, je vais regarder l'épisode de Shinoko d'aujourd'hui. Et quand je serai dans mon lit, je vais regarder les deux derniers épisodes de Spice and Wolf. Évidemment, il y a une saison 2 qui a été annoncée, c'est cool ça. Bah, ils méritaient. Hein. De toute façon, s'ils ont fait un remake, c'est pas pour rien. C'était pour adapter. Alors. Faudrait peut-être que j'aille un cran à droite. Ouais, ou quoique, en vrai, on s'en fout. Hein. Au pire, je creuse la montagne pour que ce soit au moins symétrique ici. J'aime pas. J'aime pas. Faut que j'aille plus loin. Et du coup, après, je démarrerai bah, un nouvel animé qui sera The Elusive Samurai, qui se termine bah, cette semaine. Ou qui est déjà fini, je sais plus. Alors, paf. Ah non, là, faut que je me décale d'un cran. Et une fois que j'aurai fini The Elusive Samurai. Ah bah là, je suis trop décalé là. Voilà. Une fois que j'aurai fini The Elusive Samurai, je me lancerai dans Nier Automata. Ah, c'est bien là. Donc là, on fait ça comme ça, on est symétrique. Bah nickel. Ah oui, du coup, faut lui donner de l'argent. J'avais omis le P de mémoire, ouais. Bah les deux, hein. Le deuxième de Nier Automata et celui de Illusive Samurai.
Ah, moi, celui que j'attends de fou, c'est Dan Dadan. Hein. Et Kaiju No. 8 aussi, je l'attendais pas mal, l'animé. Mais au final, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais pas exceptionnel. Mais Dan Dadan, j'en attends pas mal de choses, honnêtement. On a déjà l'opening, c'est Creepy Nuts. J'aurais bien aimé voir. Parce que les 6 premiers épisodes ont leak. J'aurais bien aimé voir juste l'opening pour voir à quoi ressemble le clip. Mais malheureusement, j'ai pas. Enfin, je pense que c'est trop tard et que. Il était plus nulle part. Mais bon, c'est pas grave. Bon, alors la maison de Julie. Faudrait que je sache à peu près où je la cale. Comment ça se passe si je la mêle là? Ouais, en vrai, c'est bien ici. Mais ça. Ouais, c'est pas dégueu en vrai. Herbe. Ouais, fameuse herbe. Donc j'ai dit que je mettais. Je mettais ça du coup. Alors attends, sa maison, elle fait comment? Donc ça veut dire. Sa maison, elle fait ça, c'est ça? Raté, mais c'est à peu près ça. Donc c'est bien ça, les dimensions. Donc si la maison je la fous là, ça veut dire qu'à côté, ouais, ici c'est bon, tu peux faire un petit chemin. Et mon pont suspendu, ah oui, j'ai large la place de le faire, mon petit pont suspendu. Donc ça veut dire à côté que je fous une rampe qui serait genre incrustée là. Voilà, on se dit j'incruste ici ma rampe. Et ici, en vrai, je mets la maison de Polo. Enfin, c'est ce que j'ai dit de toute façon. Ouais, ça me paraît bien. Bah vas-y. Alors je vais juste placer. Hop. Et ça je vais retirer pour éviter que ce soit sous la maison de Julie. Oh ouais, c'est bien ici. Hein. En fait moi c'est surtout que je veux la place de faire mon petit chemin en dessous. Pour pouvoir venir là. Après je peux faire une espèce de place. Hein. J'ai justement de la place pour le faire. Genre ici je peux faire un cercle et tout. Je peux essayer de faire quelque chose. Ah je sais ce que je peux acheter. Par contre, va falloir farmer. Va falloir farmer. Non, mais c'est bien ici. Vas-y, je vais la placer maintenant. Ça me paraît bien. Je suis pas un peu loin là? Et au pire, je peux toujours agrandir derrière. C'est pas grave. Ouais, allez. Je vais agrandir un chouïa derrière. C'est pas la papouette, ouais. Tiens, ici aussi, il faut que j'agrandisse d'ailleurs. Attends, déjà, on descend. Après, faudra. Faudrait que je place des échelles permanentes. C'est tellement chiant de se déplacer quand on n'en a pas. Donc je grossis ici. Donc ici.
Ouais, voilà. Bien comme ça. Alors, moment de vérité. Comment ça rend sur la carte? Ouais, ça fait une belle zone, hein. Ça fait une bien belle zone. Ouais, en vrai, tu t'as l'impression qu'il manque beaucoup d'espace à gratter, mais finalement, non, ça va. L'espace grattable, il est pas non plus immense. Non, mais c'est bien comme ça. Donc ici, je foutrais une autre rampe. Je pense que je vais, pareil, foutre une rampe naturelle. Et donc, voilà. Et bah, du coup, on save. Et je vais repasser... Je vais repasser en été. Comme ça, en été, on peut tomber sur le scarabée. Et pareil, l'un de mes deux derniers insectes manque. Et bref, si on reparle d'animé, là, ouais, là, on avait une saison qui était assez vide. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des trucs, hein. Il n'y avait pas non plus grand-chose. De très très cool, on avait Oshinoko. Et c'est tout en vrai. Hein. Bah, allez, le retour de Fairy Tail. Mais ouais, on a eu Shikanoko no Kono Koko Shtanton. Et oui, j'arrive à le dire grâce à l'opening. Qui était noté au-dessus de 8 et là qui se rapproche du 7. Mais en vrai, ouais, c'est. En vrai, je trouve ça étonnant qu'il ait autant baissé. Parce que c'est premier degré, genre bien, les vannes marchent. Mais. Enfin, la parodie, l'humour fonctionne de fou. Mais voilà, c'était ok. Mais ça, je trouve ça, il se fait très très baisser l'animé quand même. Un petit peu injustement à ce point, je trouve. Mis à part ça, il y a pas mal de trucs que j'ai pas regardé, évidemment. L'animé de romance avec la Russe, là, trop la flemme de le regarder. Ah, Tower of God, finalement, il va faire 13 épisodes. Parce qu'on savait pas sur My Name List. Bon, ok, ça s'arrête à 13 épisodes. Derrière, qu'est-ce qu'on a qui m'intéressait? Isekai Suicide Squad, ouais, c'était. Ouais, c'était ok. Isekai Shikeku, j'ai arrêté de regarder. IJRM, qui était très sympa. Pseudo harem, du coup, hein, l'autre nom, si. Non, c'était très sympa. Illusive Samurai, que je vais regarder. Nier Automata que je vais regarder. Et après, j'ai rien noté d'autre. Hein. Ouais, en grosse suite, il n'y avait rien. Il n'y avait que Oshinoko et Fairy Tail. Hein. La prochaine saison est horrible. J'ai 9 suites à voir. Ouais, non, mais la prochaine saison, moi, j'en ai du plein de tout autre. Hein. La joie, j'en ai 13. Alors, saison 3 de ReZero. Uzumaki, Blue Lock saison 2, Dandadan, Bleach Thousand Year Blood, là. Bref, l'arc final de Bleach partie 3, Danmachi saison 5, Shangri-La Frontière saison 2. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Blue quelque chose. Ah, visite au camping. Intéressant, si on a un bon villageois, imagine c'est Peck ou Apollo. Oh, la dinguerie. Blue Box. Bon, SAO Gun Gale Online 2, mais bon, ouais, ça m'intéresse pas. Saison 4 de Blue Exorcist. Pareil, ça, je ne regarderai pas. Ranma 1/2. Yakuza Fiancé. Donc ça, c'est mes plans to watch. Hein. Kenshin saison 2. Là, j'ai je crois, un Isekai que je vois. Mais je sais pas comment il s'appelle, le titre. Et Beastars saison finale 3. Ça en fait des choses, dis que donc. Ouais, super. Rien de particulier. Je pourrais peut-être placer des arbres en haut. Un truc qui passerait bien. Ah ouais, ça s'incruste hyper bien, ça. Et donc là, l'idée après, ça serait on avance un peu. Du coup, faut que je reprenne ça.
Mais là, faudrait que je trouve le short. Donc l'idée, c'est on avance un chouïa. Là, on creuse de l'eau sur les côtés. Alors on se dit, voilà, je fais 4. Je fais 4 des deux côtés. Ouais, du coup, faudrait que je creuse tout ça. Ah non, mon pouce suspendu, je pourrais pas le faire, hein, ça sera trop moche. Que là, ce qu'il aurait fallu, c'est que ici, du coup, je creuse bah, toute cette partie montagneuse là. Donc tout ce que j'ai creusé là ne servirait à rien. Ça, à la limite, je. Ouais, non, même ça. Hein. Là aussi, il faudrait que je le retire. Ah non, mon pont, c'est un peu de la merde. Hein. Oh, putain, c'est vrai que je voulais faire une montagne avec une cascade. À la limite, je vais la foutre là, ma montagne cascade. Ouais, mais non. Non, mon pont suspendu, c'est de la merde. Malheureusement, j'ai pas l'espace pour. Non, mais je vais montrer ce que je voulais faire à la base. C'est ça que je voulais faire à la base, et ça fait un effet pont qui est suspendu. Et après, bah, tu peux faire différents types de ponts. Et voilà. À la base, je voulais faire ce truc-là. Mais je sais pas, je sais. Oh non, mais tu te fous de ma gueule, toi. Ah, quoique, si. Ah si, je peux le faire en fait. Ouais, faudrait que j'agrandisse ici à la limite. Ah si, je peux le faire. Mais faudrait que je le démarre vraiment ici, quoi. Ah oui, donc non, en fait, ici, faut pas mettre de l'eau. L'eau, faudra la mettre là où j'arrive. Ah si, je peux le faire. My bad. Tiens, bah à la limite, je vais mettre l'eau là, vu que je veux que ça se termine là. Mais du coup, ça veut dire que je vais devoir creuser quand même ici. Après, ça va, je creuse pas trop non plus. Ah bah, c'est sûr, c'est plus simple de détruire que de construire. Y a de l'eau en haut? Ah merde. Ici aussi. Et je vais mettre de la terre comme ça. Mince. Ah si, c'est là que je voulais le mettre en plus. Voilà, je mets de la terre comme ça, je connais la limite. Voilà. Donc là, ici, faudra que je mette de l'eau qui tombe. Ici. Alors, je creuse jusqu'à où? Il faut que je creuse encore. Ouais, on se dit comme ça. Et là, au pire, ici, je foutrai un arbre ou une connerie comme ça. Du coup, je dois faire pareil de l'autre côté. Ici, on creuse. Donc voilà, ça sert à rien, mais on va dire que c'est rigolo. Ouais, ici, je peux mettre un étang, enfin, je peux mettre de l'eau. Ouais, ça fait vraiment effet pont suspendu. Si, si, non, non, ça peut marcher. Ça peut marcher, mon truc.
Ouais, ici à la limite, je foutrais des décorations en mode oiseau. Alors, du coup, maintenant, bah, du coup, faudrait que je trouve un des QR codes. QR code bridge Animal Crossing New Horizon. 70 passes QR code. Putain, mais il y en a des trop bien là. Mais il y a des trucs géniaux. Tu peux faire des dingueries avec les QR codes. Là, je vois, il y a des trucs magnifiques. Oh putain, ouais, mais les QR codes, ils sont trop trop chauds, les gens. Mais oui, en fait, tu peux tellement tout faire. Bon, par contre, il n'y a pas exactement ce que je recherche. Parce que l'autre, là, créer un pont gnogneugneu. Est-ce qu'elle donne le QR code? Code des motifs. Oh! Elle les a tous donnés. Pourtant, c'est un short. C'est étonnant que les shorts aient une description. Alors, motif perso. Télécharger. Ah mais non, mais je veux pas lire un QR code, moi je veux vraiment mettre un code dans un jeu sur Nintendo 3DS. Merde. Comment je fais? Ouais, je pense que je vais devoir aller sur l'application de Tom Nook là. Enfin, sur le Switch Online. Le Switch Online sur téléphone. Limite beach volley. Ah, c'est rigolo, hein, j'ai totalement raté. Le truc qui marche pas du tout. Je peux pas l'effacer celui-là. Alors, motif. Lire à partir d'une image sauvegardée. Ah non, c'est pour. Attends, sélectionne une image. Je peux mettre mes propres images. MDR. Putain, mais c'est hyper pratique ça. Bah ouais, mais il n'y a pas de QR code du coup pour ça. Pour ces motifs là. Bridge IDs. Ouais, mais est-ce que j'aurais les. Ah mais en fait les QR codes ça existe depuis la 3DS je crois. Ça vient pas de la version Switch. Ah oui, donc avant aussi en fait tu pouvais faire des bêtes de trucs. Oh non mais je vois des machins, mais c'est un truc de fou. C'est génial. Alors moi ce qui me dérange c'est évidemment son pont suspendu là, bah, je peux rien faire. QR code Animal Crossing. Ah, y a pas. Je t'avoue que j'ai pas envie de le faire moi-même ce code. Comment je peux faire? Code motif Animal Crossing New Horizon. Comment entrer le code motif? Ouvrez le Nook Phone, cliquez sur l'icône des motifs personnalisés, puis choisissez porter si c'est un vêtement du maquillage. Et voilà, maintenant c'est à vous. Oh putain, faut forcément aller dans la boutique. Donc je peux pas le faire maintenant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que tu peux pas le deviner ça. D'ailleurs, très con que tu puisses pas. Alors, bah du coup, ici, on va le finir ça. On va remplir le trou. Paf.
Là où il y avait notre ami Yetiti, le bonhomme de neige. Je pensais qu'il me donnerait un objet, mais il m'a juste donné un plan de construction, petit bâtard. Il faudrait que j'arrondisse là tout le bord. Ouais, j'ai pas fait exprès de... Mais c'est pas plus mal. Ouais, j'aime pas le fait que ce soit tout droit comme ça. Ah, c'est bizarre. Ouais, ici, ça me dérange. Hein. Ouais, à la limite, faut que ce soit rond. Ouais, à la limite, là, arrondi comme ça. Et voilà, et là, je le fous vraiment dans le truc, la nouvelle maison. Enfin, la prochaine. Alors, on est comment? Là, je fous mon pont suspendu. Ici, bon, je trouverai des trucs à mettre. Ici, je place la maison. Là, on a l'autre maison. Non, mais c'est bien. Après, là, je pourrais faire ma petite place. Ma petite place. Non, c'est cool. Non, je suis content. J'ai espoir. Ça peut bien rendre. Mais du coup, faut... Je vais recrafter... Attends, déjà, je vais finir ce que je disais à l'instant. Donc ici, il va falloir que je mette ma nouvelle pente. C'est pas grave. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, ça on commence sur la carte. Ah là, on a moins le truc d'avant. Non, mais ça va être rigolo, le pont suspendu, allez. Ça changera, tu vois. Un truc original un peu. Là, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut faire des ponts suspendus? Après le pont diagonal. Quartier asiatique. Ouais, je vais d'abord retirer de l'argent. Ah bah c'est sûr, ça sera moins cher de faire ça que de faire un vrai pont. Hein. Que les ponts, ils coûtent cher quand même. Ah, tu dis au final, tu fais aucun pont. Tu fais juste ça. Peut-être aller voir Runar avant quand même. Et là, tu dis sur ton île au pire... Tu fais zéro pont. Tu fais juste... des faux ponts suspendus comme ça. Même pas. T'as même pas besoin de faire des ponts suspendus. Tu peux faire des fake ponts grâce au motif perso. Et t'économises 100K à chaque fois. Mais le problème, c'est que tes ponts, ils sont plats. C'est le seul souci. Parlons infrastructure. Les ponts et les rampes. Je veux installer une rampe. La naturelle. De toute façon, vu qu'elle sera depuis le haut, elle ne se verra presque pas. Ouais, et après, je me dis, je peux placer une maison maintenant. Je pense que je vais faire ça. Je vais en profiter pour placer directement la future maison d'Apollo. Et au pire, si en chopant Apollo, il va pas dans la bonne maison, et ben la mauvaise maison, je la mettrai à l'emplacement de Peg vu qu'il n'y aura que cet emplacement-là de possible. Donc au final, je perds juste 10 000 clochettes. Parlons infrastructure. Déplacer un bâtiment. La maison d'un résident. Je veux déplacer, disons, la maison d'Alice.
Et Gradub, il va rester tout seul. Gradub, la merde. Ah, mais il est moche, hein. Camping? Camping? Alors le problème c'est qu'il faut probablement que je save avant. Parce que le problème là c'est que j'ai fait des choses. Ce que j'aurais dû faire c'est direct aller au camping en tout premier. Mais je vais save, je vais aller au camping et après je vais voir à qui il faut parler. Enfin, si c'est un bon villageois, au moins, tu vois, ça me fera une meilleure, ça me fera une monnaie d'échange à la limite. On peut le faire depuis le haut, les pentes, enfin les rampes. Je sais même pas. Non. Alors ici. Il faudra aller un cran plus loin. Il faudrait vraiment que ça s'incruste bien dans le cercle. Je crois que c'est pas mal, mais imaginons. Je pense qu'il faudra que j'agrandisse un petit peu à droite. Allez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. En fait, moi, ce que je veux, c'est deux blocs sur le côté... et sur le haut. Et là, je crois qu'on les a les deux. C'est juste ici, je trouve que... c'est un peu dommage. Hein. Ouais, ici, il faut que ce soit un peu plus... un peu plus épais. Et voilà, juste ça. Hein. Voilà, juste de un cran. Et là, ça sera déjà un petit peu mieux. Sinon, j'avance tout de 1. À la limite, je vais faire ça. Non, en fait, je veux garder un petit... Je vais garder un petit peu cet effet. Alors du coup. Si je veux avoir cet effet. Voilà. Ah c'est pas mal là. Faudrait que je voie depuis le haut comment c'est. Oh ça fait bizarre. Ouais je vais péter ça. Je vais le péter, je trouve ça fait bizarre en fait. Spouette, 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 spouette. Ouais c'est un petit peu droit mais vas-y. Du coup, la rampe est posée. Non. Donc, on va poser la pente. Après, je save. Après, je reviens. Alors, imaginons. Comment ça, hein ? Ah, faut que ça s'incruste un peu quand même dans la montagne. Oh putain, ça s'incruste pas du tout. Oh, à la limite, ça va. Alors ce qui est chiant c'est que vraiment on voit pas. Mais en vrai ça va. Au pire, je vais faire comme tout à l'heure. Voilà. On va forcer l'incrustation. Donc ça veut dire qu'ici il faut que... je fasse ça. Et à la limite, je vais juste faire une incrustation par la droite.
quoique. Ouais, ça va là en vrai. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà. Voilà, et là c'est pas mal. Et après là derrière, je sais pas, je foutrais un bain ou une connerie comme ça. Vas-y, à la limite, je vais le poser maintenant. C'est mon bain à remous de merde là. Je savais jamais quoi en faire. À la limite, je vais le foutre là, il va être bien ici. On ne peut pas oublier camping. Hein. Oh non, ma maison est envahie par des cafards. Eh, faut que je regarde un petit peu qu'est-ce que je pourrais foutre à l'extérieur. À l'extérieur pour eux. Ah bah les spots. Les spots autour du pont, évidemment. J'en ai pris 4. We are open. Voilà, ce bain à remous de merde. Sinon, je vais prendre de cyprès au cas où. Ce truc-là aussi, je pourrais le mettre. Pour l'utiliser. Pourquoi j'ai une deuxième fois? Oh non, me dis pas que... Quand je pensais la dernière fois que j'avais acheté le truc et qu'il m'avait pas donné l'objet, en fait, je l'avais juste foutu dans mon entrepôt sans faire exprès. Oh la vanne. Oh la putain de vanne, j'ai perdu 4 multi-key mindsnook pour ça. Oh putain. Ça fait mal. Ça fait très mal. Hein. Putain. Et bah rip. Ah, ouf. Putain, là, ça me fait bien chier. J'ai perdu 4000, c'est chiant à... C'est chiant en forme, hein. Et bah tant pis. Putain, ça va être génial là. Putain, mon île. Ça s'améliore de dingue. Pardon. La maison de qui ça? Ah, bon, ça va, Gradub, il sera à côté de tout au moins. Ouais, il est à côté du quartier. Du quartier des oiseaux. Le quartier des piafs. Voilà, il est pas loin du quartier des piafs, il est à côté de la zone commerciale, ça va. Ouais, c'est bien, il y aura de l'espace. Ici, je peux faire une petite place. Ah ouais, bah ici, j'ai largement la place de placer des choses. Alors, ben, remous, comment il passe? Je me verrais bien foutre un arbre là. Ou peut-être des... Ah merde, j'ai rangé. Non, je foutrais bien des barrières ici. Mais je sais pas, les barrières. J'hésite à mettre des barrières, je pense pas. J'avais dit que je voulais mettre une petite montagne aussi. En vrai, la montagne, elle aurait sa place ici. Oui, sinon je la fous là, la montagne. Genre ici. Et après, l'eau, on va dire, elle nous sort de l'eau ici. Ah ouais, ça serait pas déconnant de mettre la montagne là. Ou sinon je la fous là. Ah, j'aurais pas dû mettre le chemin ici. Non, le mieux aurait été de foutre la montagne ici. La montagne d'eau, je pense qu'elle aurait été meilleure ici. Et là, le chemin, je l'aurais foutu, là. Je sais pas. Bon, on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Du coup, save. Et après, on va au camping pour voir Yaki. Et bah après, bah si j'ai un bon village ou au camping, on essaiera de se débarrasser d'un des villageois que j'aime pas.
Au moins pour avoir une. Ah, quoique, le problème c'est que vu que je déplace Gradube. Non, vu que je suis en train de déplacer Alice, Alice ne pourra plus partir. Donc j'aurai une chance sur 9 que le villageois qui se barre soit le bon. Oh, ça va être trop chiant. J'espère le personnage du camping là, il est nul. Moi j'ai tout le temps des. J'ai tout le temps des trucs moches. Genre, enfin vraiment horribles. Genre des oiseaux, mais bien moches. Ouais, ça. Soit j'ai des oiseaux moches, soit j'ai des singes. Enfin, mais que des trucs horribles. Je sais même plus c'est quoi l'accès le plus rapide pour y aller au camping. Putain, ça me fume la future maison de Peck. En vrai, elle va être géniale la maison de Peck. Copriérisée là-bas. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Ah, qu'il y aura la maison de Jennifer aussi. Faudra pas que j'oublie de la faire. Alors, le villageois, de qui s'agit-il? Bah. Putain, ah, c'est bizarre, j'avais dit. Ah, moi j'ai tout le temps des piafs moches. Et j'ai un piaf vert avec des bêtes de cerne. Oh là, j'ai pas de chance, hein. Eh ben écoute, bah en vrai, time travel, hein. Time travel, comme ça, on a tout. On a tout qui se construit. En vrai, je peux directement me déconnecter. Ça sert à rien de save, j'ai rien à voir. Donc on se dit time travel au 27. Voilà, en après-midi. Attends, je vais juste regarder le 27. Est-ce que c'est un dimanche le 27? Non, c'est un mardi. Donc vu que c'est un mardi, j'avais pas streamé. Donc ça veut dire que ça sera bien une nouvelle journée pour moi. Ah bah non, mais de toute façon c'est 2025. Moi je suis dans le futur. On fait tout dans le futur. Alors du coup, faut que je me rende à la boutique des sœurs doigts de fée. Je me rende à la borne à droite des vêtements exposés sur le mur du fond. Et là, je pourrais rentrer les motifs qui m'intéressent. Alors le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je dois utiliser. J'ai oublié d'aller voir Runar d'ailleurs. Ce qui m'arrangerait là, c'est que Runar il soit dans son petit bateau. Comme ça, on est sûr d'avoir un truc qui est vrai. N'empêche, je suis vraiment content hein, avec cet été. L'île aura extrêmement avancé. Parce que là, en vrai, ce qui me restera pour cet été, c'est des trucs mineurs. Hein. Finir le plongée d'Aix. L'insecte d'Aix, si je le finis pas la semaine prochaine. L'extérieur de la maison de Jennifer. L'extérieur de la maison de Peck, qui est déjà bien prêt, on va dire. La grande nouvelle. Bon, y a rien. Et après, qu'est-ce qu'on a au. Ouais. Plongée d'Aix. Maison de Jennifer. Maison de Peck. Ma maison et remplir les endroits vides. Ouais, c'est tout, hein, y a rien de particulier mis à part ça. Mon cher Livav. Oh putain, j'ai oublié de lui donner sa thune. Oh, fait chier. Oh, c'est chiant que ça se soit pas automatique. Et oui, l'intérêt en fait, c'est que plusieurs comptes Switch peuvent être sur la même île. Et l'idée, c'est que, imagine, il y avait ma mère qui jouait sur mon île. Bah, elle a son propre compte en banque de clochettes. Et c'est le seul intérêt.
Non mais le nombre de récoltables là. Il doit y avoir plein de girouilles. Avec ma petite zone commerciale. Ah les spots ils sont allumés en... Non! Non mais c'est une dinguerie. Je ne fais pas du time travel pour me débarrasser d'un villageois. Et là j'en ai un qui veut se barrer. Qui est le bon? Mec, j'ai une chance sur 10. Pardon, j'ai deux chances sur 10 que le bon villageois se barre. Il faut que je fasse tout. Ah bah là, là, je ne remettrai pas ma Switch à l'heure. Il me faut absolument un villageois pour la remplacer. Sinon, l'aléatoire va me donner un villageois random. Ah non, il me faut un villageois. Il m'en faut un absolument. Il y a quoi là? Est-ce qu'il y a des gens qui proposent? Attends. Je vais mettre Looking for Peck. Après, je peux dire, ouais, je vous donne des belles. Est-ce qu'il y a un emoji peck? Peck en anglais, c'est bien P-E-C-K. Je crois que c'est ça. Parce que Apollo, c'est mort. Apollo, j'aurais jamais assez. Alors là, si je m'attendais à ce que j'ai un villageois qui se barre. Ah, mais casse-toi, hein, écoute ton cœur, hein, moi, il n'y a aucun souci. Hein. J'en ai rien à foutre de toi, hein, je sais même pas qui t'es. Elle, elle fait partie de ces villageois qui a rejoint mon île, mais sans que je lui demande. Hein. Vraiment, mais casse-toi. J'aime bien les koalas, il n'y a pas de souci, mais j'ai jamais dit que je te voulais toi sur mon île. Oh putain, ça veut dire que du coup. Ça veut dire que du coup, le dernier habitant dont je ne souhaite pas, ça sera Gradub la merde. Ah non, mais saleté de Gradub. Hein. Ah ouais, non, mais Gradu, bah. Bah du coup, je vais garder le Discord d'ouvert. Hein. Ouais. Après, rien ne m'empêche de faire une île paradisiaque au pif, mais vraiment la proba pour que je tombe sur un bon villageois. Alors, j'ai eu énormément de chance de tomber sur chef la dernière fois, mais. Mais bon, je l'aurai pas à chaque fois, cette chance. Alors, que m'a donné ma mère? Un porte-stylo de maman. Ouais, sinon je peux dire que j'échange la. Comment elle s'appelle? La koalate. Ah, mais ta gueule, hein. À plus tard, chef. Attends, je vais dire. Je vais lui dire qu'elle veut partir. Gifted, ungifted? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, attends. Comment elle s'appelle en anglais? Alice. Alice, ACNH. Comment elle s'appelle en anglais? Elle s'appelle Melbourne en japonais, Zelanda en espagnol, Connie en allemand. Et connasse, tu t'appelles comment en anglais? Comment tu t'appelles? Alice. Ah, ok, bon. Je sais pas, parce que Monica, elle s'appelle pas Monica, tu vois, par exemple. Bon, attends, je vais juste dire que je cherche de l'argent au pire. Comment elle s'appelle? Attends. Attends, donc ça veut dire que. Attends, qu'est-ce que les gens ils disent? Looking for. Donc FT, c'est ce que je propose. Alice.
Looking for Beck or Bells. Beck, Bells, or Nook Miles Ticket. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne peux pas parler pendant 15 putains de minutes, tu te fous de ma gueule. Aïe. Coup dur. Coup dur, coup dur. Du coup, zone commerciale. On va aller chez les sœurs de Wattfé. Ah, c'est bien que les choses soient organisées maintenant sur mon île. Le sol rend bien de jour. C'est la première fois qu'on voit le sol de jour. Il rend bien, je trouve, c'est cool. Alors. Spouette, pouette, 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 pouette. Je dis que je cherche un peck, mais comment je fais pour peck? Bien sûr! Alors, motif. Je sais pas, je vais télécharger tous les motifs, on verra. Motifs perso par critère. Okay. Alors, moi je fais vraiment des motifs, non? Je crois. Ah non, moi c'est des MA. Ouais, c'est ça. Alors, 7, 1, 9, 5, 10, 1, 1, 2, 7, 0. 43. Sinon, je peux faire des îles aléatoires hein, pour essayer de choper des meilleurs. Ah, et avec ce code, je vois autant de choses. Non, mais je me dis juste ça. Juste ça, quoi. Ça, ça passe bien, ça. Tu fous ça à des endroits random. Non, mais même là. Même ça. Mais attends, pourquoi il y a autant de trucs? Ah, c'est ce qu'a fait cette personne. Oh, non, mais il y a tellement de trucs que je veux récupérer. Genre ça. Ah, le pont, c'est ça. Attends, je prends celui-là ou l'autre? Ouais, celui-là. Ah, favori. Ah, comme ça, je serai pas obligé. Choisis un emplacement de sauvegarde. Vas-y, ici. Ah, nickel. Allez, on va continuer. Non, ça passe bien. Ah, mais c'est trop bien. Ah, bah là, je vais repasser par plein d'endroits de mon île pour placer ce genre de choses. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais vu de cool aussi? On verra comment ça passe sur le sol. Hein. Il y avait quoi de cool là? Ah oui, il y avait le caillou. Mais non, mais c'est génial de voir ce genre de truc. C'est trop trop bien. Alors, est-ce qu'il y a des trucs un peu sympatoches encore? Ça, ça peut faire une bonne bordure. Bah, je pense... Ouais, à la limite, ça. Tu vois, je me dis en bord de plage, à la limite, ça peut être bien. Vas-y, je vais regarder les autres. Alors, 50-46. 80-29. Et 37-52. Non mais c'est un truc de fou. Et le temps que ça doit prendre de faire ces merdes. Ah, il est pas mal celui-là aussi. Mais attends, mais c'est ça que je cherchais en fait. C'était exactement lui que je cherchais.
Et oui, c'est lui que je cherchais. Ah oui, ok, non, dans la vidéo, je me souviens de lui. Non, c'est pas le bon. Ok, non, c'est lui qu'il fallait que je prenne, en fait. C'est my bad, c'est my bad. Je sais pas si c'est utile, ça. Je vois pas à quel moment on aurait besoin de ça. Ouais, je vais le faire sur deux slots. Hein. Un truc que je trouve vraiment nul, par contre, avec les motifs, c'est qu'on ne peut pas les tourner. Et du coup, genre, pour un motif, tu veux qu'il soit symétrique, mais rotate, bah, t'es obligé de le refaire. C'est trop con de faire. C'est vraiment débile. Kékéil. Tu fais même pas rire les gens. Non, mais c'est très très bête. Boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Eh ben nickel. Vas-y, par curiosité, je vais regarder le dernier quand même. Alors, 83. 94. 0, 4, 49, 64, 12. Tiens, je vais regarder sur le site Nookazoon pour voir s'il y a des gens qui proposent. Alors. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui proposent des pecs? Alors là, je vois qu'il y a du 450 000. Looking for. Ah bah, il n'y a que moi qui est looking for pour un pec. Putain, sa valeur moyenne. Putain, il vaut 1 million en moyenne, c'est une blague. Et moi, pec, tu me le donnes gratuitement, il vaut que dalle, pec, normalement. Sinon, c'est Apollo, l'autre. Ah merde, attends, c'est Apollo avec deux L. Et un P. Mais à quel moment Apollo il vaut moins cher que Peck? Foutez de ma gueule. Free! Il y a 11 h! Mais non. Alors, si je peux le choper, c'est une dinguerie. Alors, le problème, c'est que je sais pas à quelle heure je pourrais le faire. Attends, login. Normalement, je suis déjà login sur ce site. Ouais, avec Discord. Hop, autorisé. Make an offer. Alors. Finding someone to trade getting tricky. Come with us. Il dit price free et après il demande des trucs. We've got Nook My Ticket, Royal Crowns, Any Villager, 40 stacks of Any Materials, Rare Seasonal, and more. Hein? Make an offer. For listing price. Submit offer. Est-ce qu'il est connecté le mec? Je sais pas si, comment on peut savoir s'il est connecté. Online. Non mais ça serait une dinguerie que j'arrive à le choper là quoi. Genre, j'ai un villageois qui m'arrange de fou qui veut se barrer. Et en plus j'arrive à voir l'un des villageois qui m'intéresse gratuitement. Ce serait fou quand même. Par contre je sais plus comment il marche le site. Il vale la ville. Ah oui c'est ça, je me suis déjà connecté sur le site. Parce qu'il sait. Ah ouais, join en avril 2020. Pom pom pom, bon bon bon. Bah écoute, on va attendre que l'autre me réponde. C'était il y a 11 h après. Parce que là, des pecs, il n'y en a aucun qui est proposé. Des Apollo, là, il y en a. Bah écoute, je vais garder le lien d'ouvert.
Après, je vais faire mon annonce comme quoi je vends ma Alice. Et puis voilà. Bon, bah, on a fini d'utiliser la borne. Hein. Attends, hop, je vais garder Internet ouvert pour voir. Mais c'est une dinguerie en vrai. Ça passe bien, ça j'aime bien. Alors. Bah, du coup, ça j'en ai plus besoin. Ah oui, du coup, faut que je repasse en mode remodel. Alors, le seul truc que j'espère, c'est que l'autre là, il me réponde. Et rapidement, parce que dans une heure, moi je suis plus là. Hein. Et après, je dodo. Sinon, je laisserai le site ouvert au pire. Et si l'autre me répond, bah, j'irai chercher Apollo hors stream. Et on le découvrira la semaine prochaine. Et du coup, en plus, ici, c'est la maison d'Alice, donc c'est parfait. Et oui, bah c'est parfait, ça veut dire que si je chope Apollo, il va direct ici. Popom, popom. Ah oui, du coup, je vais me débarrasser de ça. Donc ça veut dire que là, il faut que je pose de l'eau. Voilà, au moins deux sur trois crans. Après, c'est là où je sais pas trop comment je vais gérer le truc. Ah, je crois qu'il faudrait que je recreuse là. Ou que j'aille un cran plus loin avec ça. Je sais pas. On verra. Je vais déjà poser les machins et on verra comment ça se passe. Alors. Motif personnalisé. Donc d'abord celui de gauche. Appliqué au sol. Ah putain, c'est tellement pas pratique les motifs personnalisés. À chaque fois, tu dois retourner dans ton inventaire. Vas-y, je vais mettre le dernier. Putain, et à chaque fois, je me trompe du coup. Du coup, là, faut que je mette lui. Oh putain. Le fameux truc d'huile qui manque. Après, ils mettent un Discord. Hein. Le Discord, c'est quoi? C'est pour pouvoir contacter le mec ou... Je pense pas qu'il ait le site d'ouvert H24 quand même. En vrai, si dans un quart d'heure j'ai pas de réponse, je vais aller sur le Discord et je vais lui dire hey bro. T'es dispo genre maintenant. Pour récupérer un petit Apollo. Le petit Apollo des familles. Alors après je sais pas par contre lequel faut mettre entre les deux. Oh, j'imagine que ça a l'air d'être le bon. Oh mais regarde, c'est tellement pas pratique. Mais il y a vraiment des trucs mais mal branlés dans ce jeu. Genre ça, c'est un truc qui est mal branlé. C'est tellement long. Genre ça... Ah mais attends. Mais attends, mais en plus, on peut faire des angles du coup. Ah non, c'est forcément... Ah non, c'est forcément dans un sens. Ah bah oui, c'est plus pratique là tout d'un coup. Attends, il manque quelque chose ici. Et bah voilà. C'est rigolo. J'aime bien. Ça passe bien en vrai. L'effet, il fonctionne. Alors c'est juste ici, il faudrait que je foute de l'eau, je pense. Alors je sais pas. Alors je peux en mettre là.
Ah ok, je peux en mettre là aussi. Ouais, non là faudrait que j'aille un cran plus loin. Ou que le pont je le rétrécisse. Ouais, à la limite, je vais le rétrécir un peu. Alors la question c'est lequel? Quel est le bon? Ah bon, tout simplement. Hop. Et ici. Mince. Là, je vais essayer de foutre des fleurs un petit peu random après sur, sur l'île pour voir un peu comment ça rend. Et après, c'est sud-droite. Voilà. Ouais, alors juste l'effet de côté, il marche pas trop. Mais sinon, ça passe bien. Quand t'es ici, l'effet fonctionne. Alors, c'est juste là où c'est dégueulasse. Mais je crois que je peux pas péter ici. Ouais. Faudrait que je refoute de l'eau. Ouais, je vais retirer cette eau-là, elle est de trop, je pense. Ouais, c'est suffisant. C'est suffisant d'avoir dans un seul sens. Voilà, et après ici j'avais dit où je mettrais des trucs, peut-être des arbres ou des conneries. Du genre. Eh ben nickel. Est-ce que j'ai une réponse de cette personne? Je sais même pas comment il s'appelle. Sachikorita. Papa. Papa. Ah mais l'autre il est connecté mais pas sur Discord. Sinon il y a 7 heures il y a un mec il a fait make an offer. Ouais mais bon. Ouais mais là ton là le free là il m'intéresse bien je t'avoue. Tata. Tata. Je suis un rat moi j'ai pas moi j'ai plus d'argent. J'ai besoin d'argent moi. Ah, et ça fait même un bruit. Enfin, ça fait pas de bruit. Du coup, c'est comme si on marchait sur le bois. Ah, bah, c'est bien. Alors, moi, ce que je voulais tester. Bon, bah, on a fini le quartier des piafs, hein, c'est bon. Attends, objectif, ça va être de choper le piaf. Ah, oui, c'est vrai, je voulais foutre des spots. Ouais, je les ai en plus. Ah mais je les fous mes spots. À la limite je les mets juste en haut des rivières. C'est très bizarre mais à la limite. En fait je sais pas où les mettre. Il n'y a pas assez de place. Comment ça? Sinon l'autre idée c'est que je les mets là. Il n'y a pas assez de place. Je me dis que pourquoi pas. Oh putain. Caillou de mort là. Je pense que de nuit ça peut être bien ces petits spots là. Ils peuvent être cool. Là faudrait que je trouve quelque chose mais je pense que je vais foutre des arbres. Hein. Après le problème c'est que je crois qu'ils pourront pas pousser. Au pire je fous des fleurs. D'ailleurs en parlant de fleurs. Donc on se dit... Allez dans 10 minutes je vais sur le Discord de l'autre. Et on essaie de voir. Alors comment ça rend? Putain, mais ça rend bien en plus. Hein. C'est que ça rend bien cette merde au sol. Alors, je pense. Je suis pas sûr. Hein. Je pense que ça passe. Mais pas du tout. Quand t'es en hiver. Mais tout le reste de l'année, ça doit bien rendre.
Alors, je sais pas, t'en fous à droite, à gauche, en mode random, comme ça. Ouais, en fait, c'est ça, ça fait effet mauvaise herbe. Que je cherchais. Et du coup, t'as juste pas de relief, quoi. Ouais, t'en fous un peu partout. Là, pour le quartier des loups, je pense que je vais mettre que des trucs comme ça. Après, je mettrai les petites fleurs. Enfin, quartier des loups. Maintenant, c'est le quartier de la forêt ici, vu qu'on a ajouté Pécan. Ouais, c'est cool, ça rajoute un petit truc. Oh, j'aime bien. Là. Bah là, je suis en train de faire ce que j'avais l'intention de faire cet été. Hein. Non, attends. Ah, j'ai pas envie que tout soit sur la même ligne. J'ai dit. Putain. Oh! Du coup, hop, on retire le vrai truc. Ah, si, de loin, on dirait un petit peu qu'il y a de la perspective. Enfin, je crois qu'il y en a. C'est pas qu'on dirait, c'est qu'il y en a vraiment. Ouais, c'est cool, ça rajoute un petit truc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, on a le caillou. Alors ça. Ça, je me vois plus le mettre ici. Voilà, à la place des mauvaises herbes, tu vois. À chaque fois, j'avais foutu des petites mauvaises herbes comme ça, mais du coup... En vrai, le mieux, c'est que je fasse ce truc-là. Mais rose. C'est cool, hein, ça rajoute quelque chose. Hein. Ah, c'est sympatoche. Hein. Alors, faut éviter d'en foutre vraiment partout. Hein. Évidemment, le défi, c'est de ne pas trop le spammer. Ouais, ça me choque pas. Là, ça risque de faire trop. Ouais. Là, ça fait trop. Non, bah c'est cool. Allez, un petit ici. Du coup, ici en haut, là, faudrait que je mette des choses. Hein. À la limite, je peux foutre le caillou ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Putain, mon motif patate, il est désastreux. Hein. Ah mais ça fait chemin, ça... Ah ouais non, ça fait pas l'effet que je pensais. Bon, quoique, à la limite, ça passe. Hein. Ouais, après tu te dis... Voilà. Comme ça, j'ai ma montagne. Voilà, ça... en fait, c'est juste pour habiller ça, quoi. Et alors, d'en bas, ça rend comment? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Non, mais c'est bien. Bah, le quartier asiatique est officiellement complété hein, avec ça. Ah, ici aussi, je peux ajouter des choses. À la limite, ici, je peux foutre des cailloux random. Hein. Ah, mais du coup, à la place de ça, là, à la place de cette merde, je vais foutre des... Je vais foutre des motifs.
à la place de ça. Ah, les motifs perso, ils vont par-dessus. Ça, je pouvais pas deviner. Alors, je suis obligé de d'abord retirer l'échelle. Ah oui, du coup, là, faut que je repose. Là, je vais pouvoir placer mon motif, du coup. Ah, sinon, à la limite, je pose celui-là. Ouais, c'est peut-être mieux pour placer une échelle. Alors, du coup, c'est cette échelle-là. Mais ça rend mille fois mieux comme ça. Mais ça rend mille fois mieux. Mais c'est génial. Mais c'est génial, les motifs personnalisés. Mais c'est tellement puissant. Comment ça rend si j'en mets un random ici? Ah merde! Mais c'est une blague, mais je passais comment avant? C'est une blague. Bon, tant pis. Heureusement qu'il n'y a pas de soft lock. Voilà, il me faudrait des petites herbes ici. Et je pense que je vais juste faire le quartier asiatique et le quartier des loups. Hein. Je ferai le reste une prochaine fois. Genre la semaine pro. Où je continuerai. Bah du coup, je vais continuer à placer ces fleurs-là. Non. Allez, un petit ici. Ah, il en faudrait un à droite quand même. Et du coup, vu que je suis Keblo, il faut sortir avec l'échelle. Ah bah, la semaine prochaine, je pense qu'on va... On va regarder un petit peu des motifs sur Internet. Pour faire des trucs. Ah ouais, non mais là tu vois. Ah mais non, mais ça rajoute vraiment quelque chose. Hein. Là, même là. Hein. Même là, hein, ça faisait vide. Là tu te dis tu peux faire ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc là ici, j'avais totalement zappé. À la limite ici aussi, faudra que je... On va ici aussi mettre le bon. Alors déjà, on remet de l'herbe. Ah, j'ai rien mis ici. Ouais, voilà, dès que je mets une échelle, je vais foutre ce truc-là. Ici, on place notre échelle. On monte. Et paf. Et si je regarde sur la carte. Yes, nickel. Parce que sur la carte avant, on voyait qu'il y avait un petit point de caillou de sol. Mais du coup, on le voit plus maintenant. Ah, mais du coup, en bas à gauche de l'île, là, je vais retirer les espèces de cercles. Qui sont moches. J'aime pas. Alors ici, vu qu'on est de retour dans le quartier de la forêt, et ben ici on va refoutre des petites herbes un peu partout.
Et c'est bien, ça remplace les mauvaises herbes de faire ça. Ça, t'as pas de mauvaises herbes, t'as juste ça. Parce que les mauvaises herbes, il y en a qui sont jolies. Les petits trèfles qui sont bien. Mais c'est tout. Alors c'est juste en hiver où il faudra voir comment ça rend. Je me permets d'en foutre un petit peu plus là parce que on est censé être dans le biome forêt là. Pareil, ici on spam, hein, on s'en branle. Juste aller en dessous. Mais je crois que c'est bon, on a fait tout le tour. On a fait tout le tour de ce que je voulais. Mais c'est bien, ça rajoute quelque chose. Hein. Alors là, le problème, c'est que c'est vert sur vert. Faudrait que je mette du blanc, mais je pense qu'il faudrait que je trouve d'autres fleurs pour avoir d'autres couleurs. Mais là, ici, par exemple, tu vois, le blanc, il ressort bien. Le caillou, ici aussi, pareil. Oh, c'est cool, hein. Tu vois, c'est mis des détails, tu vois, mais en vrai, tu fous ça un petit peu de façon randomisée, et moi, je trouve que c'est vachement cool. Hein. Tu fous des fleurs à droite à gauche, comme ça. Tu fous un drapeau de Mario qui est derrière, là, en easter egg du quartier asiatique, et puis voilà. Enfin, chaque fois que je vois un insecte, j'ai peur que ce soit un putain de scarabée. Et là, voilà. Voili, voilou. Non mais il y a des cigales partout. Ouais, après j'ai fait tout ici, et après aurait fait. Alors est-ce que j'ai eu une réponse de l'autre? Non. Bah du coup je vais aller sur son Discord. Et je vais essayer de le contacter. Sauf si je dois redémarrer la page pour voir les messages. Oh putain, c'est un Discord de Treasure Island. Ouais, bon, allez, vas-y. Bon, à la limite, je peux proposer ma petite Alice pour voir s'il y a des gens d'intéressés. Alors, click to fill form. Animal Crossing, character name, Lival. Mon île, la ville. Attends, je m'appelle Lival dans le jeu? J'ai un doute. Que quelqu'un me dise comment je m'appelle. Quoi, connard? Ah, je m'appelle Lival, c'est confirmé. Your form has been submitted. Is why to gain access to a challenge. D'accord. Ouais. Oh là là, elle est belle mon île, hein. Elle commence à devenir jolie. Bon, le quartier des piafs, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, moi, ça me dérange, faut qu'il y ait des choses. Ah, tu vois, typiquement, ça veut dire que je suis pas obligé de foutre des murs ici. Hein. Ah, des murs, des sols. Ça serait peut-être mieux. Je me vois bien, en tout cas, de faire peut-être un cercle avec ça. Tu vois, un truc de 3 par 3. Même pas de 3 par 3 du coup, mais un truc comme ça pour que ce soit un peu circulaire. Pour la place du village. Pour voir les pièces jointes. Make sure you tap it your form. Attends, on peut voir la carte qui parlait de passeport. La ville Lival. Ah, c'est bon. Je ne me suis pas trompé.
Alors, quand on lit tout ça, comment ça rend? Je pense que si je fais un beau cercle, ça peut aller. C'est ça que là, je suis vraiment en train de douter, quoi. Ah ouais. C'est pas comme ça qu'on fait des cercles. Au pire, ça fait une fleur. Beau les fleurs, non? C'est désastreux, hein. Ouais, à la limite, c'est la place du village. Village des piafs. Ah, ça y est, j'ai accès à tous les channels. Ah, mais attends, mais y a personne sur ce sur le Discord, non? Ah si, il y a plein de gens. Alors, est-ce que il y a un channel? Bon, attends, déjà, je vais mute le. Je vais tout désactiver. Aucun message de notif. Et maintenant, je vais voir, est-ce qu'il y a un channel? Non, il n'y a même pas de channel où on peut parler aux gens. Friendship, gnu. Ah ouais, c'est vraiment un truc. Merde. Alors, comment il s'appelle celui que je cherche? Il s'appelle Sachikortla. Est-ce que. Mais what the fuck, comment ça se fait qu'il propose autant de PNJ? Là, je vois, il y a un Ungifted Marshall pour free. Putain, mais attends, avec les Trésors Alien, tu peux avoir le villageois que tu veux. Attends, si c'est le cas, c'est une dinguerie. Et comment ça fonctionne? Enfin, c'est sûr, je pense en fait, c'est qu'il y a un serveur Discord qui doit tourner. Et en fait, tu dois payer un serveur Twitch, enfin, un stream Twitch. Qui doit tourner. Donation link. Oh putain. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Preuve de donation. Ah putain. Par contre, bonne question. Est-ce qu'avec les Treasure Island, on peut avoir des villages? Ou je vérifie. Ah, mais du coup, c'est même pas la peine, l'autre, que je le fasse. Mais c'est qui Sachikorta, du coup? Il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment Sachikorta sur le serveur? Ah non, il n'y en a pas, hein. Alors, sur Twitch. Ouais, si je regarde des Treasure Island sur Animal Crossing, est-ce que je vais en avoir une bonne? Vas-y, je vais aller sur celle que je suis. Et comment ça marche? Tu mets un point d'exclamation. Apollo. Est-ce qu'il y a Apollo quelque part? Non. Est-ce qu'il y a un help en commande? Ouais, je suis en train de full tricher. Hein. Là, en fait, là, les trucs que je cherche, c'est pour avoir accès à des bots. Ah, villagers. All villagers, we have in collection. Alors. Alors, il est où, Apollo? Apollo, il est dans Wither. Alors, Wither. Wither, il a l'air d'être dispo. Je pense que je vais time travel maintenant pour me débarrasser de l'autre là. Comme ça, j'aurai ma petite pente au passage. Mais du coup, je me demande comment ça marche parce que Wither, ça sert à quoi? Ça veut dire que je vais sur une île? Ouais, je sais pas. Bon, on verra.
Oh mais je suis trop refait de voir ça. Regarde l'environnement. Mais c'est génial. Je suis giga refait en vrai de voir ça, vraiment. En vrai, je me tâte vraiment à continuer Animal Crossing jusqu'à vraiment finir mon île. Mais du coup, ça veut dire que je ne rejouerai pas cet été. Je me tâte vraiment à faire ça. Parce que vraiment là, je suis vraiment content des avancées que j'ai eues. Je suis giga refait à ce niveau-là. Bon, je vais faire un petit tour aux toilettes, je pense. Pendant que je vais aller sur l'île de l'autre. Enfin, juste avant. Mais ouais, c'est des îles de bottes. Mais c'est pareil, t'as des équivalents où tu peux faire des échanges avec des bots sur Pokémon pour avoir des shiny, etc. Des Pokémon parfaits. Enfin, c'est des Pokémon trichés en gros. Et tu peux faire pareil avec les villageois, etc. Et c'est ça, les fameuses Treasure Island. Mais bon, si on peut avoir des villageois gratuits, moi je prends. J'ai eu beaucoup de chance déjà d'avoir Shino. Je vais pas me plaindre de ça. Non, mais vas-y, à la limite, on se garde pour cet été des trucs. Et quand cet été, je relancerai le jeu, eh bien, on regardera des petites vidéos pour voir des trucs sympas à faire. Donc ça veut dire qu'Animal Crossing aura bien un hashtag fin à un moment. Eh oui. Pour chaque série, il y a un hashtag fin. Mario Galaxy, pour moi, c'est. Pour le coup, c'est un jeu qui n'aura jamais d'hashtag fin parce que je vais toujours revenir sur le jeu sans raison. Les annonces du jour, demain c'est la ville. Oh non, Alice qui part. Oh. Chez. Alors, question que je me pose, c'est. Je vais demander à ChatGPT. Dans Animal Crossing New Horizon, est-ce que. Si un de mes villageois a ses cartons dans sa maison pour partir. Oh putain. Dans Animal Crossing New Horizon. J'ai actuellement un de mes villageois qui veut partir. Il a déjà ses cartons dans sa maison. Est-ce que je peux déjà avoir... Est-ce que je peux aller sur l'île de quelqu'un pour avoir un nouveau villageois? Ou je dois attendre que mon villageois parte pour libérer une place. Bon, entre nous, je pense qu'il faut qu'il libère une place. Ouais, c'est ça. Non, il faut d'abord qu'il quitte l'île. Bon, tu sais quoi, nique sa mère, personne ne voudra d'Alice de toute façon. Donc on est d'accord, Alice, ça veut se barrer maintenant. Oh, c'est très perturbant ça. Parce que du coup, je sais pas où est-ce qu'elle est la pente. Ah merde, mais elle voulait déjà partir. Ah oui, mais maintenant, elle a fait ses cartons. Ah! Allez, c'est ciao. Au revoir Alice, merci pour ta collaboration. Alors, comment il marche? Free map. Villager included in this map. Oh, mais c'est quoi leur serveur de merde, hein? Ah putain, il y a des golden tools sur cette île. Est-ce qu'il me manque des fruits? Non, je les ai tous les fruits.
Non, bah, écoute, j'ai quitté ce serveur, hein. Ça sert à rien. L'autre, il m'a pas répondu, j'imagine. Ouais, c'est que ça doit être un bot de connecter. Bon, tant pis. Comment je retire mon offre? Oh, ça sert à rien. Active. Non, j'ai rien. Vas-y, je vais fermer. Hop. Ta la ta ta la ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Spoyons. Et là, imagine, il me dit, oui, il y a un remplaçant pour Alice et tout. Imagine la dinguerie. L'un de mes deux villageois dont je souhaite le départ. Et celui qui m'arrange pour le coup, vu que sa maison est déjà placée. Et là, paf, il y a un villageois qui veut prendre sa place. En vrai, je me dis que normalement, la prochaine fois que je stream un jeu Switch, c'est du Animal Crossing la semaine prochaine. Vu que vendredi, c'est Pokémon et samedi, c'est FNAF. Donc je pense que je ne fermerai pas mon jeu Animal Crossing pour éviter qu'il y ait un nouveau villageois qui rejoigne mon île. Alors par contre, ouais c'est bon, il y a de la place sur l'île. Ah bah oui, c'est vrai que Julie maintenant elle habite sur le quartier des oiseaux. Le quartier des piafs. Putain, il est déjà 2h30 de stream. Oh là 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 là. Quitte à faire du time travel, j'aurais dû aller voir Runar. Après, entre nous, je pense que si je commence à utiliser les. Genre, déjà, le time travel, c'est fort. Le time travel pour avoir des navets, c'est fort. Oh, s'il te plaît, me dis pas qu'il y a quelqu'un. Ok, let's go. Mais un autre truc qui sera encore plus fort, bah, c'est juste d'utiliser à tout hasard des bots. À tout hasard, ce que je vais faire finalement. Oh Monica, alors faut que tu essaies ça, il n'y a pas moyen autrement. D'accord. Tata. Tiens, je vais aller ranger mes trucs. Et la question que je me pose, c'est là sur l'île sur laquelle je vais aller. Ok, il y aura Apollo. Mais qu'est-ce que je fais? Enfin, je pourrais le récupérer ou... Parce que là, le problème, c'est que maintenant, il faut pas que j'aie des villageois qui se barrent. Et ça, c'est un problème. Qui se barrent. Qui arrivent. Da-da-da-da-da-da. Ouais, ici aussi, faudrait que je pose des. Faudrait que je fasse des décos. Oh, attends, cette merde-là, je vais la planter. Ah, c'est un pot! Putain, je savais pas. Ouais, tant pis. Ça, par contre, c'est un vrai arbre. Ouais, tant pis. J'aimerais bien bouger la maison de Gradu. Ouais, c'est ces merdes-là là, que je veux bouger du coup. Je vais le faire maintenant. Enfin, je vais les retirer maintenant. Ouais, quoique je suis pas en mode posage de trucs. On le fera une autre fois si j'y pense. Alors juste, je me souviens qu'ils veulent pas que tu montres le code, donc évidemment je vais pas montrer le code. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Bon bah voilà, bah maintenant on va prendre en compte que je suis en train de montrer des choses. Tu peux être bannir si tu montes les codes parce que c'est pas trop, j'imagine, légal ce que je vais faire. Multijoueur. Bon après c'est pas comme si le time travel et le marché noir c'était hyper legit. Multijoueur jeu en ligne. Mais je sais pas si c'est montrer le code ou montrer les îles qui est interdit. On verra.
Est-ce qu'il y a un rules? Une commande rules. Alors. No sharing the do codes. Outside of the stream. Ok, ouais, on s'en branle. Ouais, non, en fait, c'est bon, je vais pouvoir montrer. Faut juste pas ma... que je montre le dodo code, quoi. Alors... Bla 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 ta 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 ta. J'arrive pas. Ah, regarde. Et après, le dernier, c'est ça. Est-ce que le code, c'est bien ça? Recherche des îles que tu pourrais aller visiter. Il semblerait qu'on a un départ pour Wither. Oui. Et là, je suis banni. Je peux pas y aller. La dernière fois que j'ai essayé d'aller sur Nid, j'ai pas pu. Hein, donc. Il y a des interférences. Ah, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'y aller. Bon, écoute, je vais spammer. Hein. Ah, c'est parce que quand quelqu'un join Nib, tu peux pas la join. C'est vraiment de la merde. C'est mal branlé. Là, ça devrait être bon, normalement. Il y a des interférences, mais tu te fous de moi. Mais tu te fous de moi. Ah bah putain. Oh là 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 là. Eh, combien? 1 minute 30. Mais en vrai, c'est horrible. En plus, je vais voir Apollo, mais si ça se trouve, ça sert à rien. Hein. Je vais quand même regarder, il y a quoi sur l'île. Wither, alors... Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-bas? Alors, au niveau des villageois... Bah, du coup, on a Apollo. On a toutes les décorations de jardin là-bas. Et on a tous les outils en version gold. Bah en vrai je vais aller en prendre. Comme ça au moins j'aurais. Oh non mais c'est une dinguerie. Non mais regarde. Oula, y'a quelqu'un qui a la peau bleue? Possible? Mais c'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. J'ai même pas envie de montrer ça sur Twitch. Imagine, imagine je me fais ban du online. À cause de... Oh là là, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, en vrai, je n'ose pas le montrer. Imagine, j'ai des soucis. Imagine. Bonjour. Ah putain, il y a du blé dans le jeu. La canne à sucre. Il y a des tomates. Librairie de poche. Terrarium. Mais c'est trop bien, mais je veux récupérer tout ça. Et l'île, elle ressemble à quoi? L'île, c'est juste un carré. Mais il y a des trucs trop beaux, mais je veux tout. Mais attends, mais c'est génial. Putain, il y a toutes les fleurs du jeu, du coup. Mais c'est une dinguerie. Ah putain, il y a des arbres à clochettes sur tous les tours, mais on peut pas les prendre. Ouais, mais ça, c'est de la giga triche. Hein. Vraiment, là, quelqu'un vient de partir. Putain, et à chaque fois, tu dois attendre, du coup. Oh, à chaque fois, tu dois te taper les animations des gens qui partent, mais c'est pas possible. Mais ah, oh, mais c'est mal branlé, ça. Par contre, l'autre, il a la peau bleue. Je sais pas comment... Je savais même pas qu'on pouvait changer sa couleur de peau dans le jeu.
Bon, je suis désolé de pas montrer, mais je crois que on va éviter, hein. Ah ouais, mais dès que t'as besoin d'un truc, tu fais ça. Putain, et ça sauvegarde, mais c'est un scandale. Mais c'est tellement long. Mais c'est tellement long. Mais c'est vraiment de la merde, hein. C'est vraiment de la merde de multi. Hein. Mais t'as des chargements putain de longs. Ah, c'est pour ça, faut se dépêcher, parce que imagine, y a quelqu'un qui reste. Ah ouais, non, et là je vois un truc qui est trop beau, je le veux. Ça s'appelle comment? Une margalée de feuilles. Je regarde vraiment tout ce qu'il y a. Non mais c'est une dinguerie. Mon jeu, il est en lag. Oh, il y a des petites fontaines. Je les prends. Mais c'est génial. Je vous montrerai après ce que j'ai récolté. Il me reste combien de places? Putain, il y a des oiseaux en cage dans le jeu. Mais c'est génial. Il y a des beaux petits bancs, là. On va en prendre deux. C'est trop marrant, il y a des vrais piafs en cage. Est-ce que j'ai la place? Putain, j'aurais dû me faire de la place dans mon inventaire. Vas-y, je vais prendre un piaf de chaque. Bah, au moins, ce que je prends me sera sauvegardé, quoi. Ah, mais du coup, t'as tous les objets dorés aussi. De toutes les couleurs. Mais du coup, il n'y a pas de villageois sur cette île. Ah si, c'est en bas. Ouais, je pense que je vais... Oh, je vais récupérer un objet doré de chaque... Comme ça, au moins, je serai tranquille pendant longtemps. En plus, ça me fait des quêtes de Nook Miles. Alors, l'appel doré. Je vais même en prendre plusieurs. Ah merde, tout le monde a déjà drop ces trucs. Pelle de rando, pelle de rando. Y a pas des pelles dorées? Ah si, pelle dorée, c'est. Mais je suis en train de giga tricher là. Mais t'inquiète, t'inquiète. Tout va bien se passer. Alors le filet doré, lequel? Lui? Ah au moins je vais être tranquille, hein. Mes objets ils ne se casseront plus jamais. Hein. Ah mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, en vrai, je suis tellement avancé dans le jeu. Que je fasse ça ou pas, est-ce que ça changera réellement des choses? Et après, canne à pêche dorée, du coup, qui me manque. Alors, c'est laquelle? C'est celle-là? Il n'y a que des cannes à pêche colorées, c'est laquelle, la dorée? C'est laquelle? Elle? Ah, c'est bon. Quelqu'un vient de partir. Oh là là. Trop fort. En fait, trop fort. Après, je vais aller parler à Apollo pour voir si je peux le choper. Ah, mais c'est une dinguerie. Ah, mais putain, si tu veux compléter ton île, en vrai, les Treasure Island, c'est une dinguerie. Mais à faire en off, je pense, parce qu'en stream, le problème, c'est que j'ai pas forcément envie de montrer ce que je suis en train de faire, évidemment. Mais bon, je me dis, ouais, vraiment, option gratuite, juste, tu te fais pas chier, tu fais ça, et puis basta. Alors, le plus gros défaut du truc, c'est le online.
C'est insupportable, le onani. Quand quelqu'un se barre, quand quelqu'un arrive, tu attends, mais tellement longtemps, c'est tellement lent. C'est de la merde. Alors, canne à pêche dorée. Tac. Bah, je crois que c'est bon, hein. Je vais juste lâcher mes merdes là. Merde. Non, pas mes pépites de fer. Alors là, je récupère mon lance-pierre. Hop, j'ai. Je crois que j'ai fini, hein. Il ne manque plus qu'à aller parler à Apollo. Je crois que j'ai tout pris des éléments dorés là. Ah, j'ai oublié l'arrosoir. Alors, arrosoir doré, bah, c'est ça. Merci de fermer la fenêtre affichée. Putain, c'est trop casse-couille. C'est trop casse-couille. Mais bon. Bah, je crois que j'ai tout pris, hein. Tous les trucs de décoration que j'ai vu qui m'intéressaient, je les ai pris. À la limite, ouais, non. Eh ben écoutez, on va parler à Apollo et je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Et tant pis hein, pour le villageois. Sauf si quelqu'un propose sur nous Kazoon. Ah, il y a quelqu'un qui propose Murka, qui était une des villageoises qui m'intéressait. Mais ce n'est plus le cas. Hein, moi, je veux vraiment Apollo. Apollo ou un piaf qui m'intéresse. Pour le quartier des piafs. Alors, je regarde vite fait si j'ai loupé des trucs, mais là, comme ça, il n'y a rien qui me choque. Bon, j'ai pris ce qui m'intéressait. My bad, il y a des tracteurs dans le jeu. Il y a des vignes. Oh, des vignes. Des chinos, c'était rien. Mais putain, mais attends, il y a plein de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, les tracteurs, il m'en faut. Tu te fils de pute. Alors, la maison d'Apollo, c'est laquelle? Celle-là. Apollo? Il s'appelle... Attends. Je dors, j'ai le droit, non? Gare à celui qui me réveille. Oh merde. Oh non, ça veut dire que je peux pas y aller. Oh la vanne. Ah ouais, les villageois, ils sont tous en mode... En mode déménagement. Donc ça veut dire que tu peux vraiment avoir des villageois de cette façon-là. Attends, je vais regarder si toutes les maisons ont leurs villageois en box. Bah écoutez, je pense que pour le prochain stream, peut-être demain, je vais essayer de choper Apollo sur cette île. Oh putain, mais oui. Tous les villageois, ils sont en train de faire leur valise. Ok, bah confirmé. Confirmé. Bah écoutez, prochain stream, j'aurai Apollo. Mais du coup, je vais pas le faire ce soir. Et bah écoutez, C'est une dinguerie, ce que je viens de découvrir. Mais écoutez, je vais vous montrer tout ce que je viens de choper. Je vais aller aux toilettes pendant les animations, au passage, parce que c'est hyper long. Hop. Donc à tout de suite. Thank you.
Non, mais par contre, c'est tellement long. Bon, alors, on va rigoler un peu. Alors, les Mighty Nooks, qu'est-ce que j'ai? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Des outils en or. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai tous les outils en or d'un coup là. Eh bah stonks. Eh bah rentable, je viens de me faire 12 000. My bad. Oh, 17 000. Waouh. Eh bah écoute, on prend. On prend. Alors. T'inquiète. Tout est normal. Ah, j'ai oublié de montrer ça aussi. Voilà. C'est à moi tout ça. Ah bon là, je devrais plus être emmerdé. Hein. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu quand même. On est là pour ça. Alors, tut-tut, fils de pute. Tracteur. Je sais pas ce que je vais en foutre, mais vu qu'il est là, autant l'utiliser. Petit terrarium. Voilà, je me dis ça peut être joli en décoration. Un bonsaï pie japonais. Une table de jardin naturel. Ça passe bien en extérieur. Une margallée feuille truc. Voilà, ça je me dis pour le quartier asiatique ça peut être sympa. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Une cage à oiseaux. Une cage à oiseaux. Une cage à oiseaux. Non, un banc de parc. Mais tu vois, typiquement, tous ces piafs là. Mais oui, mais en plus, il y a des vrais piafs dans le jeu. Donc voilà, en gros, des cages à oiseaux comme ça, j'en ai. Je crois j'en ai 5. Des bancs comme ça, j'en ai, il me semble, 2. Voilà, je vois que j'ai un autre banc de parc. C'est quoi ça, pierre? Oh, c'est juste un caillou. J'en ai pris 2. 3. Un robinet de jardin. Ouais, ça je trouve ça cool. Je crois que j'en ai pris 3. Ouais, c'est ça. Après, cage à oiseaux, cage à oiseaux, cage à oiseaux. Voilà. En plus de tous mes objets dorés, bien sûr. Et malheureusement, Apollo, je ne pouvais pas l'avoir. Mais voilà, comme j'ai dit, je le ferai en off, du coup. J'irai le chercher en off probablement demain. Faudra que j'y pense. Ah, mais ça me met giga bien. Comment ça se vend des objets en or? Parce que tu dis, tu prends ton inventaire entier d'objets en or. C'est vrai que le quartier, enfin la zone commerciale, elle est là-bas maintenant. Boum. Bah du coup, je pense que les sites Nukazune, etc., j'en ai rien à branler maintenant. Hein. Du coup, je peux voir exactement tout ce que je veux sans aucun souci. Bonjour, sois le bienvenu. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressent? Non. Juste la bouée, à la limite, mais bon. On va regarder le cours. Imagine, j'ai un bête de cours du navet. Ah, 64, la merde. Ah, j'attends des trucs. Alors, ça se vend combien un objet doré? Être doré. 10 000. En vrai, tu dis, tu te fais un inventaire complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, tu te fais 40 000. Tu te fais 400 000. Ouais, en vrai, ça vaut le coup. Hein. 400 000 fait très rapidement. J'imagine, j'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il y a des îles qui te permettent d'avoir toutes les œuvres d'art du jeu. Je pense que je le ferai. Hein. Parce que les œuvres d'art, c'est chiant, c'est de l'aléatoire. Tata. Tata. Est-ce qu'il y a un truc art? All fakes and real art is on cloud. Est-ce que cloud est gratuit? Je sens que pour le prochain stream, j'aurai peck.
J'aurais Apollo. J'aurais fini le musée d'art. J'aurais tout fini. Ah putain. Moi, je me note pour ma to-do, hein. Chercher Apollon sur Weezer. Chercher Weezer sur Cloud. Et Peck, il est où? J'ai pas vu où il était, Peck. Ouais, objectif Peck, hein. Nous avons plus de 150 villageois sur nos îles payantes. Eh ben écoute, déjà de ce que je vois, Raymond et Monica, ils sont tous les deux sur des îles gratuites. Par contre, j'aurais très le seum que Peck n'y soit pas. Alors, non. Ah mais en plus y a des villageois qui sont sur plusieurs îles. Genre là j'ai vu Monica et Raymond deux fois. Oh non, oh non, je crois qu'il y a pas Peck. Je le vois pas. Putain, Monica sur une troisième île. Non, y a pas Peck. Y a pas Peck. C'est pas possible. Ah, c'est quoi ça? Il y a une île, t'as juste tous les fruits, tous les poissons. Alors ça, je sais pas comment t'es censé faire. Toutes les statues, tous les insectes, tous les trucs. Non, mais tu peux pas les ramasser pourtant quand ils sont. Là, je regarde, mais ouais, non, il n'y a pas Peck hein, dans le tas. Ça veut dire qu'il faudrait que je trouve des Treasure Island qui ont Peck. Je vais regarder, hein. Tant pis, hein, je suis plus à ça près maintenant. Quitte à tricher, autant continuer. Putain, mais il y en a partout des Treasure Island. Tu tapes Animal Crossing sur Twitch, tu n'as que des Treasure Island. Je vais te réserver au follow. Allez, si tu veux. Bonjour. Allez, vas-y. Est-ce que vous avez Peck? Find villager. Peck. Nouvelle télé. Villager Peck not found. Oh, find Peck. Juste find Peck alors. Peck not found. Fous de ma gueule. Alors il est où Peck? Faut trouver Peck. Est-ce que je vais le trouver là, sur la page internet? J'ai l'impression qu'ils y sont pas tous. Hein. Mais Peck, il est pas populaire. Il y a qu'en France qu'il est populaire, à cause d'Antoine Daniel. Mais oui, il y a. Oh putain, il n'y a que les villageois connus. Il n'y a pas les autres. Ouais, je vois pas Peck. Ça se trouve, ils l'ont juste pas, c'est pour ça. Si je fais find juste Peck, PEC. Peck not found. Peck, Animal Crossing. Peck, la légende. Il s'appelle comment en anglais? C'est Peck avec un K, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Bah, tant pis, hein, je vais aller sur une autre, sur un autre stream pour voir. Faut juste que je trouve le stream qui me propose des Peck en fait. Et là, actuellement, il y en a pas ici.
que des îles sables. D'accord, j'ai compris. Alors, find, pick. Type individually command, free about rules, gna gna gna. Bonjour Lival, tu cherches un truc? Peut-être si je mets juste pec. Villager. Bon bref. Je pense que je vais aller poser tout ça. Le quartier des piafs, on le terminera la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, objectif. Ouais, non, mais du coup, je vais continuer à streamer le jeu en octobre, hein, et je ne streamerai pas cet été. On finira le jeu en octobre. Mais du coup, vas-y. Pour la prochaine fois, je vais juste placer tous les éléments que je veux utiliser. Voilà, quand j'ai dit que j'avais des cages à oiseaux, c'est que j'en ai quelques-unes. Je les ai toutes prises en fait. Binet de jardin. Ouais, vas-y, on va prendre celle-là. Terre de jardin basse. Ouais, vas-y, on va les poser les deux. Le quartier asiatique, je pense pas que je vais y repasser. Band Park, on peut se dire on en fout un deuxième. Tracteur non, Margalet, ouais on peut. Terrarium non, Banzai non, étable de jardin naturel, en vrai pourquoi pas. Quoique, en vrai je le vois pas trop ici. Du coup je vais aller entreposer le reste. Après est-ce que j'ai besoin du reste? Peut-être la table de jardin que je peux foutre quelque part. Genre quelque part par là, tu vois. Genre juste je la fous en plein milieu dégueulasse, tu vois. Je la fous là. Je fous mon tracteur à côté. Là, je fous mon petit bonsaï, là. Merde. Ça rend trop mal. Non, mais je le foutrais dans ma maison, je pense. Mais hein. qu'est-ce que je peux mettre là-dessus pour que ça rende bien? Un tracteur? Sert à rien. Ah mais c'est de la merde. Non c'est de la merde. Non bah tant pis. Mince. Bon est-ce qu'il y a la commande villager sur leur truc là? Non il n'y a pas l'air hein. Ah the villager list can be found in one complete list in Discord. Oh pff, foutez de ma gueule. J'ai obligé d'aller sur votre Discord pour ça. Je vais le rejoindre, mais bon. Bon, vous m'emmerdez, les gars. Et lui, j'accepte les règles. Bonjour, Lival, bienvenue. Alors. Bon, comment je sais où je dois aller, du coup? Look up. Ok. Tac. Look up, villager, peck. Alors, il est où, peck? Là, je vois même l'intérieur de peck. Putain, l'intérieur de peck, il est militaire. Trop marrant. Ouais, j'entrepose mes caca là. Après, si je peux avoir peck maintenant, je le prends, tu vois. Et est-ce que je peux l'avoir? FFA Villagers. Ah. Mais comment je sais où est le villageois que je cherche sur leur site à la con hein? FFA Villager List. Alors, ouais mais y'en a que dalle. Si je cherche Peck, ouais, je le trouve pas évidemment. Alors Peck non.
Non. Non. Non. Ouais, ça m'étonne pas, hein, il y a juste les plus connus. Hein. Il n'y a que les plus populaires. Hein. Putain. La blague. Bon bah tant pis. Allez, c'est ciao le Discord. Vous n'avez pas de villageois qui m'intéresse. Je m'arrête pas tant que j'ai pas un nouveau villageois. On a rien à foutre. On va chercher sur chaque stream Twitch pour trouver ce putain de pec. Ou Apollo. Je peux avoir Apollo aussi. Ah merde, j'ai quitté le serveur Discord trop tôt, j'ai même pas vu s'il y avait Apollo. Chat réservé au follow, t'inquiète. Thank you for following. Alors, villager. Attends, je vais faire find pec. Chat réservé au follow. Mais je suis follow. Find pec. Medieval, type order bot. On our chat with our order bot for free. Looking for specify. Order bot. Order bot. Type order. Enfin, order pec. Fail to convert item. T'es de ma gueule. Order bot. Moi je dis ça. Type order item name on the chat. Order nook my ticket. Ah bon? Order villager, ok. Oh putain, il y a clairement des ID. Alors il est où, Peck? Après, en vrai, je vais prendre plutôt Apollon en. Autant prendre Apollo en priorité. Alors c'est quoi l'ID, c'est ça? Où je fais order villager de point tac. La note disant now me whisper me any random tree type. Ça m'ouvre un chat. Your order is starting, please ensure your inventory is empty, then go to Orville. Attends, si ça marche comme ça, c'est une dinguerie à quel point c'est bien fait. On va tester. Hein. Donc là, si tout va bien, là, je vais avoir mon petit Apollon. Mais du coup, après, ouais, pour la semaine prochaine, j'essaierai en off de choper Peck. Comme ça, on pourra démarrer la décoration de chez Peck. Du coup, je pense que le dernier stream officiel que je ferai, par contre, sur truc là, ça sera vraiment un stream Corifen. Et objectif, ça sera choper ce putain de Corifen. Allez voir quelqu'un. Mais du coup, je pense que toutes les œuvres d'art, pareil, je les ferai en off. Hein. Jeu en ligne. Alors. Alors qu'est-ce que je dois faire du coup maintenant? Please ensure your inventory is and go talk to Orville and stay on the dodo code entry screen. I will send you the dodo link shortly. I'm waiting for you, you have 54 secondes. Attends quoi? Enter the number to me on. Ok d'accord. Avec un dodo code. Bon, je me permets de ne pas montrer. Alors. Voilà. Non mais c'est trop fort. Il semblerait qu'on ait un départ. Mais non. Mais non. Mais je vais garder ce bot, hein.
Eh mais franchement, pourquoi tu te fais chier à faire du marché noir alors que tu peux juste aller dans le marché digital? Mais c'est de la crypto là en fait. Eh mais franchement. Eh, ça y est, tout est prêt. Bon vent l'ami. Super, merci. Allez, alors, c'est parti. 54 secondes pour arriver. En plus, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le stream sur lequel je suis, bah forcément ça va vite. Et là, du coup, comment ça se passe? Là, je vais juste tomber sur une île toute plate avec juste la maison d'Apollo. Mais c'est même pas Apollo, c'est Apollon en plus. Apollon, c'est en français. Apollo, c'est en anglais. Mais j'ai peur que ce soit un connard. Mais c'est juste, je le trouve un peu beau, le mec. Enfin, c'est un aigle blanc, quoi. C'est pas un aigle, c'est une pygargue, je crois, du coup. Si je me réfère à JDG. Mais je sais pas à quel villageois me le refaire. Tier list, villager, Animal Crossing, New Horizon. Il y avait quoi comme villageois? Marshall, Raymond, Chino. Mais du coup, c'est quoi? C'est une île de base? J'imagine la maison. Je sais pas. Ah, il y a d'autres oursons, non? Oui, c'est que ça. Ouais, hein, quand je regarde les villageois du haut du top, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent. Il n'y a aucun oiseau. Moi, c'est des oiseaux que je voulais. Ah, si, il y a Apollo. Ah, bah, Apollo, c'est l'oiseau le plus populaire du jeu. Il est que 37e sur la tier list que je vois. Ouais, tu vois, ça. Ça servait à rien. Bon, bah, écoutez. On attend maintenant. Bonsoir. Alors. Elle est où la carte? Oula, mais c'est casse-couille. Putain, comme de par hasard, Apollo, il est juste devant. Attends, j'ai mal vu, elle est où sa baraque? Et je suis où moi? Ok. Me dis pas que ça c'est l'indicateur pour savoir que c'est chez lui. Bonjour. Je ne triche absolument pas. Tout est legit. Oh putain, mais Apollon, mais qu'est-ce que tu fais? La première fois qu'on se rencontre. T'inquiète, t'inquiète. Oh là là, mais si j'avais su ça, mais vraiment, je l'aurais fait plus tôt. Hein. Eh oui, l'île où j'habite. Mais t'es sérieux? Mais non. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, Apollon rejoint l'île officiellement. C'est officiel, je triche. C'est pire que le time travel, ça. C'est vraiment pire que le time travel, vraiment. Eh bien, écoutez. Attends. Le tuyau est relié à l'autre tuyau? Ou pas? Ou c'est juste un indicateur? Je sais pas. Je veux rentrer. Eh bien écoutez, il ne manque plus qu'un villageois dont je souhaite me débarrasser. Mais du coup, je peux avoir Peck. Avec ce Discord-là, je peux avoir Peck. Enfin, avec ce Discord. Bah là, du coup, j'ai deux chaînes Twitch. Une où je peux avoir le villageois que je souhaite. Donc, évidemment, j'essaierai d'avoir Peck pour le prochain stream. Et sur l'autre stream que j'ai. Sur l'autre stream, je peux avoir toutes les œuvres d'art. Donc écoutez, si tout va bien au prochain stream, je devrais me retrouver avec Peck et toutes les œuvres d'art. Voilà, rien que ça. Non, mais je vais finir le jeu là. Hein. Voilà, comme ça, si un jour je souhaite montrer mon île, je serai tout content. Mon île sera finie. Non, mais on va la pimper quand même.
Mais non, on va tryhard. Je pense que pour tout août, on va continuer Animal Crossing finalement. On va continuer. Après, vu que j'attends, je vais faire le petit bot Mudai un petit peu là. Hop. Vu que c'est hyper long les chargements. Putain, j'ai cru que j'avais eu Uta dans One Piece. Et Rolls. C'est tellement long, j'ai le temps de faire mes Rolls. Ah bah vas-y, j'ai commencé. Je finis ma deuxième série. Hein. Ok. Et alors le Chanel là, qu'est-ce que j'ai fait? Mention seulement? Eh bah écoute. Bah je vais vérifier du coup, mais normalement c'est bon. Bah du coup il reste plus que cette petite merde qui doit partir. Mais ça y est, c'est fini. Alors, vendu. Et on a bien Apollon qui veut partir. Et bah nickel. Et bah écoutez, ouais. Alors peut-être pas pour le prochain stream, mais je pense que je vais vraiment essayer de me débarrasser de Gradup hein, pour la prochaine fois. Donc vu que maintenant on a presque tous les villageois qu'il me faut, il m'en manque plus qu'un seul. Je veux juste foutre Peck au plein centre de mon île. Mais voilà, le quartier des piafs, il est en soi fini. Hein. C'est comme le quartier asiatique maintenant, faudra que je le décore. Faudra que je trouve de quoi faire. Donc prochain stream, normalement je devrais avoir Peck. Normalement je devrais avoir fini le musée. D'art. Après, si je peux finir le musée des insectes par la façon que vous connaissez, évidemment, je le ferai parce que franchement, les insectes, ça m'emmerde. Par contre, le poisson, le coryphène, je veux vraiment l'avoir vraiment legit. Donc voilà, le tout dernier stream d'Animal Crossing sera un stream où je pêche le coryphène. Voilà. Donc écoutez, ma petite île là qui prend forme, qui s'approche de la fin de la ville. Plutôt content. Monsieur Neige. Eh bien incroyable. Bah écoutez, j'ai rien de plus à dire, on va juste m'arrêter là. Hop. Voilà. Eh bien écoutez, non bah content quand même. Hein. Content des beaux avancements qu'on a eus. Ça m'est bien. Hop. Je regarde, mais là, j'ai l'un des potes de mon groupe qui a bossé de fou sur l'app qu'on est censé faire. Oh, il y a tryhard, putain. Trailer. Alors je suis d'accord, potentiellement on peut quand même utiliser la BDD, gna gna gna. Connais Splash. Ok. Putain, ça taffe de fou. Hein. Alors que moi pour les projets, j'ai rien branlé cette semaine presque. J'avais tellement la flemme. Bah du coup, chercher Apollo, y a pas besoin. Donc j'ai noté chercher Peck sur deuxième pitch. Avec le orderboard. Voilà. Eh bien écoutez, ça sera pour une prochaine fois, évidemment. Donc, semaine pro, comme je l'ai dit, Peck, je devrais l'avoir. Les œuvres d'art, je devrais toutes les avoir. Je pense que demain, je vais me chauffer et jouer un peu. Pour essayer notamment de me débarrasser de Gradub. Ça va être long, mais je vais essayer. Et puis voilà, se débarrasser des Gradub, prendre toutes les œuvres d'art. Et en plus, vu que c'est probablement des Américains qui sont sur les serveurs, ça devrait être plus rapide pour moi de récupérer toutes les œuvres d'art notamment. Donc après, il nous restera... Ah, il y a finir la maison. Oh, en vrai, je me tâte hein, à laisser des trucs pour cet été. Hein. Genre là, je me dis à la limite, juste... On peut se dire à la limite... Le prochain stream, c'est vraiment le dernier. Parce que j'aurai Peck, j'aurai toutes les œuvres d'art. Juste, je compléterai le quartier des piafs. Et je pêche le coryphène. Comme ça, cet été, je relance le jeu. Et on s'occupe de l'extérieur de chez Peck.
l'extérieur de chez Jennifer. On complète l'île. Genre vraiment, on remplit les... On remplit partout. Parce que là, sur mon to-do... Ah putain, il y a la zone multisport aussi, c'est vrai. Tu vois, littéralement, typiquement, la zone multisport, bah, je vais m'inspirer de ce que je vois sur Internet. Et surtout, je vais récupérer sur nos fameuses îles tous les trucs de sport que je veux placer sur mon île. Je vais noter « s'inspirer de l'Internet ». Voilà. Non, mais j'en ai plus rien à foutre. Ok. Là, écoutez, parce que maison de Jennifer, elle est placée. Maison de Peck, elle est placée. Enfin, elle sera placée pour la prochaine fois. La zone commerciale, c'est bon. Le quartier des oiseaux, c'est bon. La zone multisport, pour la prochaine fois. Ah oui. C'est vrai que j'avais dit que je voulais mettre le truc de Thibaut InShape et tout. Ouais, bah c'est ça, hein. La maison de Pékin, c'est bon. La zone commerciale et tout, c'est bon. La maison de Peck, bon bah je sais déjà ce que je vais faire. Et après c'est la maison de Jennifer, mais je crois que j'ai déjà noté. Ouais, j'ai déjà noté ce que je voulais faire. Donc c'est bon. Hop, du coup je peux même supprimer mon screen. Et puis voilà. Hein. Tac. Bah écoutez, on est content. Et comme quoi on peut finir Animal Crossing. Hein. Donc voilà, je me répète encore une fois, mais pour le prochain stream, normalement, je devrais avoir Peck. Je devrais avoir fini le musée. Je devrais avoir fini, pardon, le musée. Donc je montrerai le musée en début de stream. Et puis voilà. Je pense que je vais choper les insectes et les créatures marines si je peux, parce que les créatures marines, ça m'emmerde de fou. Et les insectes, pareil. Il y a juste le coryphène, je me suis battu pour l'avoir, donc je veux l'avoir. Mais le reste, je m'en prends, hein, clairement. Donc voilà. Donc normalement, pour la prochaine fois, on ira choper notre putain de coryphène. Donc écoutez, si ce stream vous a plu, et désolé si je vous ai dégoûté de ce que j'ai fait, mais bon, clairement, j'ai combien d'heures sur le jeu? Combien de centaines d'heures? 300 heures, ça va. En vrai, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup. Donc écoutez, au bout d'un moment, ma patience a atteint ses limites. Quand tu es au courant que tu peux tricher, bah tu le fais. Et puis voilà. Donc écoutez, si ce stream vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien évidemment, à suivre la chaîne Twitch. Moi, je sens que je vais me coucher très tard. Je vais regarder l'épisode de Shinoko. Je vais finir les deux derniers épisodes de Spice and Wolf. Je vais me coucher très très tard. Mais je sens que demain, ça va être une journée Animal Crossing en off pour moi. Première fois, d'ailleurs, je crois que je vais jouer en off Animal Crossing. Wally Walou. Eh bien, écoutez, sur ce, on se dit à vendredi pour du Pokémon Xenoverse. C'est normalement pour la fin de Pokémon Xenoverse. Et donc, sur ce, je vous dis bien évidemment bonne nuit et à la prochaine pour un prochain streaming.